Bonjour, bonsoir et tous. Comment allez-vous? Non, il marche plus les points d'exclamation. Il faut les mettre. C'est dans. Comment ça s'appelle? C'est dans les sons d'alerte maintenant, tous les sons. Pourquoi j'ai pas mon chat? Oh, mon chat! Pourquoi j'ai pas mon chat? Ah si, il est là. C'est moi qui ai bugué. Ah bah écoute, c'est pas ouf. Voilà, soyons honnêtes. J'ai connu mieux. Voilà, pour ceux qui savent les petits problèmes de santé que j'ai, ça revient. Voilà. On est en petite phase de redescente. Donc, pas foufou, quoi. Nani ? What ? Il s'est passé quoi ? Ça m'a explosé les oreilles. Waouh ! Oh la vache ! Il m'a piqué celui-là. Comment ça se fait que je me prends des trucs aussi hard dans la gueule, là ? Rassurez-moi, je suis pas la seule à m'être pris un truc... Ow. Entendez-vous? M'entendez? What the fuck? J'entends. Alors, j'entends tout très fort. Comment ça se fait? Vous m'entendez normal, vous? Moi, ça m'éclate les oreilles, là. Alors, mais what the fuck? Vous m'entendez normal. What? Ah, ça m'a fait bobo. Hein. Je comprends pas pourquoi. En fait, alors, j'ai eu des bugs de son. Oui, ça c'est normal. Mais ce que c'est que vous m'entendez fort ou pas?
Parce que je peux... C'est pas ça que je veux... Ah, c'est. Il y a un petit décalage. M'entendez-vous? Est-ce que ça fait un décalage avec ma bouche ou pas? Parce qu'en fait, j'ai changé de micro. Du coup, tout passe. Il faut que je baisse. Tout passe par... Bonsoir. En fait, il y a tout qui passe par un logiciel. Bon, bah, si c'est synchro, ok. En fait, il y a tout qui passe par un logiciel avec mon micro, c'est un Elgato. Et du coup, j'ai un logiciel qui va avec pour faire plusieurs pistes, etc., etc. Le problème, c'est que c'est un peu plus compliqué qu'avant. Donc, là, par exemple, pour faire le son, je suis obligée, moi, de me mute sur Discord, sur OBS, et du coup, d'entendre ma voix pour que vous puissiez l'entendre aussi. Vous voyez le genre? C'est un peu complexe, du coup. C'est bon, hein? Bah merci. Pour la quête. Quelle quête? J'ai pas compris. Merci à Coucou. Je te mets une petite voix, c'est cute. De la messe. Putain, je comprends rien, c'est fou ça. Non. Ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? Vous l'entendez, je crois, mais de loin. Bref. Comme vous pouvez le constater, je galère. Un peu, quand même. Ouais, très bas. Ok. Ok, ok, super. Hein. Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est un peu relou. Voilà. Voilà. Bah bravo, je te félicite pas. Et tu sais que sur, je crois que c'est Viewer Attack, tu peux le faire avec l'image. Et ça donne un truc. Bon allez, j'arrête avec ma voix déjà. Vous allez. Vous ne m'entendez plus. Bref, donc du coup, je vous disais que ce logiciel, en vrai, c'est hyper pratique parce que je peux mettre des trucs plus fort, moins fort, le son du jeu, machin, je peux faire différentes pistes et tout. Et ça, c'est très cool. Par contre, là, je sais pas ce qui s'est passé. Tout à l'heure, il a bugué. C'est pour ça que j'ai lancé le live en retard parce que ça marchait pas. J'avais pas de son dans mes petites oreilles. Et coucou Nico, comment ça va? J'avais pas de son. Donc c'est un peu chiant pour faire un live sans son, du coup. Comme Véronique. Yo. Ah, la blague de merde. Je sais pas trop si je l'assume, celle-là, ok? En fond, on a une petite musique un peu déprimante. Je sais pas si vous l'entendez, mais c'est parce que c'est la musique de des trois. C'est pour ça. Ouais, ça, c'est un peu ok boomer hein, sur les bords. Ah, bref. Voilà, donc je galère un peu avec mon son. Ça marchait très bien sur le dernier live. Là, je sais pas pourquoi, moi j'entends des trucs hyper forts dans mes oreilles, c'est une dinguerie. Donc, ça marche pas, faut taper dessus, ça marche pour quasiment tout ça. Ouais. Ouais. Toi aussi tu fais des blagues super drôles aujourd'hui, dis donc. Voilà, donc du coup, je vais retester mon petit son. Est-ce que c'est mieux? Est-ce qu'on l'entend mieux, ce petit son? Non? Super. Bon, je réglerai les problèmes plus tard, hein, parce que là, je pense qu'il y a ça aussi qui potentiellement fait bugger des trucs. Voilà. Voilà. C'est un peu chiant. Je vous cache pas que... C'est un peu chiant, voilà.
Il y a des trucs que je comprends pas comment ça marche trop. Donc, voilà. Il y a des sons qui marchent bien, d'autres un peu moins. Donc, je retente, j'ai changé un truc. Normalement, c'est un peu plus fort. Mais peut-être pas de fou. Mieux, ouais, ok. Donc, je vois d'où vient le problème déjà. C'est déjà pas trop mal. Bon. Sachant que là, ouais, on va le mettre comme ça. On va avouer. Voilà, voilou. Donc, qu'est-ce que je disais? Bah, que c'est bof. Voilà. Le moral est pas. Pas ouf. Je suis très fatiguée en ce moment. C'est un délire. Ça se voit à mes cernes. Et encore que je me suis maquillée là. Mais sinon, c'est pas. Pas génial, génial. Voilà. Voilà. On est content. Donc, ce week-end, petit pétage de câble, j'étais triste sur les nerfs, très stressée. J'ai pris mes médicaments, je tapais des nuits de 12 heures. Donc, voilà, on allège un peu le planning. Hein. Et ça devrait, ça devrait bien se passer, normalement. Voilà. En tout cas, si jamais il y a des bugs de son, n'hésitez pas à me le dire. Je vais faire un autre test, tiens. Pas de panneau, pas de panneau. Il était fort celui-là, non? Ouais, ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire. Impec, ok. Ok, donc c'est vraiment les sons qui viennent de voice mode qui sont pas assez forts. Je verrai ça plus tard. Ce que je vous propose, c'est que nous passions sur D3. D3 que nous n'avons pas pu faire depuis un petit moment. Because j'ai annulé 50 fois. 2, très exactement. Détruit. Hop, toi, on te ferme. En plus, tu déprimes. Too down. Alors, qu'est-ce qu'on en pense de ce petit rond autour de ma tête? Je crois que c'est la première fois qu'on a cette scène avec ma petite tête. Connor, tu m'avais manqué, bébou. Je mets... Aïe. Si vous m'entendez bouger dans tous les sens, c'est normal, c'est parce qu'en fait, je suis en train de mettre mon repose-pied sur mon siège. Voilà, putain, je ne vais pas y arriver. C'est une dingue. Et vous, sinon, ça va? Votre semaine? Comment ça se passe dans l'espace? Il se passe censé avoir du son, ça? Putain, quand je vous dis que je vais galérer. Du coup, bah ça vous le remonte. Oh, la fatigue est présente, hein. De fou. Non seulement la fatigue est présente, mais en plus, là, je comprends pas pourquoi j'ai des bugs là avec mon son. C'est catastrophique. Voilà. Faut dire les choses telles qu'elles sont, hein. J'ai pas compris. J'ai zéro problème, ça fait 2 semaines que j'ai le micro, là. Ok, non, moi c'était bien. Ça fait 2 semaines que j'ai mon micro et du coup le nouveau logiciel et tout. J'ai zéro problème. Et j'ai pas de problème jusqu'à maintenant. Là, je sais pas, j'allume l'ordi. Je sais pas si RMX va passer là sur le live, mais il faut que je lui pose la question parce que j'ai des bugs avec mes ports USB. Ça me met des messages comme quoi il n'y a pas assez de ressources ou je sais pas quoi, donc j'ai pas compris. Je me plante pas de touche. Vous entendez rien, non? On entend que dalle, là. Vous entendez, vous, quand il parle ou pas?
Ouais, on entend que dalle, on est d'accord. Putain, ça me fatigue. What the fuck encore. Et lui, il passe sur son système, donc logiquement... Alors, faut que moi, je me mette fort. Waouh, j'avais zéro problème. La semaine dernière, limite, on m'entendait trop quand j'ai fait le jeu d'horreur. Et là, on m'entend pas. What? What? D3, tu passes sur quoi? Bah ouais, sur système. Normalement, t'es censé être à fond. Donc les alertes et tout, t'es en train de me dire, je les entends dans mes oreilles. Mais d'une force de fou. Et là, toi, t'as décidé que non. Oh, de ma gueule. Il se fout de ma gueule. Bon, on va retenter. Je sais plus ce que je disais, du coup. As-tu appris quelque chose ? Ah, mais non, mais... Je sais pourquoi il veut plus... Mais il était chiffré. Le décodé peut prendre... Je pense que c'est mieux, mais... Quoi d'autre ? Ah, ok, donc faut que je sois vraiment à fond dans mes oreilles, quoi. Les murs de l'appartement étaient couverts de dessins de labyrinthes et autres symboles. C'est mieux ou vraiment c'est encore trop bas par rapport à ma voix ? Tu étais à deux doigts de capturer ce... Mais c'est bas. Ok. Attends, bougez pas. Je sais ce que je vais faire. Donc ça... Moi, je vais me baisser et je vais monter. Alors, il y a un délire, hein. Là, vraiment, je... Il y a des trucs que je ne comprends pas. Alors que je regarde ça en off. Ça me casse les noises. Ça marchait très bien jusqu'à maintenant. Enfin, jusqu'à maintenant, la semaine dernière. Comment... Pourquoi là, non ? Avec le lieutenant évolue-t-elle ? Alors ? Il avait l'air reconnaissant que je lui sauve la vie sur le toit. Il ne m'a rien dit, mais il a une façon à lui de s'exprimer. Là, c'est bon. Okay. Nous devons agir rapidement. La déviance continue de se répandre. Ce n'est qu'une question de temps avant que les médias ne la prennent. Là, normalement, vous êtes éradiquer le phénomène, dans le jaune. Quoi donc, qu'il en coûte. Si tout je va vais bien, résoudre cette enquête, Amanda. Si tout va bien, vous m'entendez juste un tout petit peu plus fort que le nous jeu. Avons reçu un nouveau cas. Mais vous entendez bien le jeu. Trouve si on est bien. Et, mène l'enquête. Et ça, je suis pas sûre. Est-ce que ça vous dirait qu'on refasse des lives, enfin qu'on fasse un live particulièrement sur genre bien-être, santé mentale, des trucs comme ça. Pas forcément un truc vraiment dev perso comme on faisait, je veux en refaire, mais là j'ai pas assez de monde et pas forcément une énergie de fou pour faire des lives le soir et faut que je le fasse le soir pour qu'il y ait assez de monde. Mais... Je sais pas, j'ai envie de faire des... Enfin, faire un live sur la santé mentale, dépression, des trucs comme ça, où vraiment on chill, on papote et on partage un peu nos expériences avec ça. Lieutenant Anderson! Il y a quelqu'un? Que je vois qu'on se fasse ça un soir. Réponds, lieutenant! Oh, le truc que je détesterais qu'on me fasse, quoi. Ça va pas bien, Connor. Vous faites pas ça, hein. T'imagines, toi? Oh, le harcèlement. Ah. Il est en train de comater. Ah non, c'est un chien. Non, mais ça, c'est pas normal, par contre. Promis, je fais ça la prochaine fois. Non, non. Par contre, moi vraiment, hein. En plus le chien remue la queue, il est tout pépouze et tout. Moi déjà, juste, il y a quelqu'un qui s'approche de la porte, mon chien il est en folie, il gueule. Alors s'il y a quelqu'un qui sonne comme ça, c'est mort, il le mange. Pas possible. Et je vais même faire ce qui va se passer. De quoi, stalker quelqu'un? J'ai une porte un peu vitrée.
Il y a une partie qui est vitrée, mais floue. Et du coup, il voit les gens arriver et il gueule d'avance. Oh my god! Hank! Oh no. Anderson. J'ai commencé le jeu, j'ai fait cette partie-là. Ah ouais? Direct? Oh no. Oh no, 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 no. Vite, connard! Il faut que je... Sumo, je suis ton ami. Tu vois? J'aime pas ces chiens-là. Je viens j'aime sauver ton maître. C'est good? Ah, ok, on est potes. J'aime pas ces chiens-là. Enfin, après, c'est pas... là, c'est un... Comment ça s'appelle? Les chiens qui sauvent en montagne, là. Ça fait quelque chose, non? Je me rappelle plus les touches, carrément. Ouais, et donc? Ah. Un Saint-Bernard, c'est ça. Moi, c'est les Terre-Neuves. Je peux pas piffrer ça, c'est une dinguerie. Genre, quand j'étais gamine, mes parents avaient un ami qui en avait un. Moi, je devais avoir 8 ans. Je me rappelle que j'avais pris un truc à faire. Hein. Ah non, c'est bon. Il me sautait dessus tout le temps, il me faisait trop flipper. Et il y a une fois où je l'ai vu arriver comme un malade vers moi. Et en fait, j'avais ma chienne, c'était un Yorkshire à l'époque. Et comme une teuteuse, je l'ai pris dans les bras pour la sauver. Sauf que le chien, il m'a sauté dessus, je suis tombée en arrière, je me suis éclatée la tête par terre. Du coup... maintenant ça va parce que je suis grande, mais je suis pas très très fan du coup des Terre-Neuve. Voilà, pour la petite histoire. Possible coma éthylique. Bah top. Appelle les secours, non? Je sais pas. Debout, lieutenant. Des cuves, lieutenant. C'est moi, Connor. Oh la calotte qui me foutue. Je vais devoir vous dégriser pour votre sécurité. Hey, ça risque d'être un peu désagréable. Android de mes... Il va le faire vomir. Dégage d'ici, putain. Je regrette, lieutenant, mais j'ai besoin de vous. Ouais, c'est des chiens posés, mais tu vois, c'est hyper pâteau à 8 ans. J'étais haute comme ça, tu vois. Putain, on voyait rien. Dégage de chez moi. Hank. Me fais pas chier. C'est où la salle de bain? Waouh. Putain. Bon chien. Mon chien qui dit. Oh là là, putain, Sumo. Tu sers à rien. Oh, Tsuki, je lui dis attaque, lui, là, il serait déjà en train de nous sauter dessus en mode. On joue? On joue? Il est un peu con-con. Il attaque derrière la porte quand ça sonne et tout, mais une fois que la personne elle rentre, il est en mode. Eh, on fait des câlins? On joue? Perso à la voix du père de Kenny. Ah ouais? Ça fait des années que j'ai pas regardé. Oh ouais, il est vraiment en mode « Tu veux être mon ami ?» Hein? Laisse-moi tranquille, sale con. J'ai pas l'intention de bouger. Tu vas vomir. Mais ouais, putain, il a des petits mots partout. J'ai pas envie de prendre un bain, merci. Désolé, lieutenant. Mais t'as pas le choix. Tu pues. C'est pour votre bien. Oh, il est dur avec lui aujourd'hui, hein, du coup. Allez hop, petite douche froide. Il va pas nous aimer après encore. Qu'est-ce que tu fous ici, putain? Un homicide a été signalé il y a 43 minutes. Je ne vous ai pas trouvé au Jimmy's Bar, donc je suis venu chez vous. Oh là là. La réputation du mec. Je t'ai pas trouvé au bar, donc je t'en ramène. On n'a pas fait de prédit, les gars. Faut faire une prédit. Est-ce que je vais réussir ce chapitre ou pas? La prédiction. C'est quoi la prédit qu'on faisait d'habitude? C'est un truc comme ça, mais je me rappelle plus le nom. Non, c'est pas ça. Oui, bon, bref. Est-ce que je réussis cette game? Non, on va dire ce chapitre plutôt, parce que...
Et tu travailles pas, Nicolas? Et à coucou, travaille pas? Ben ouais, c'est son jour de repos. Du coup, t'as lundi, mercredi, là? Non. Pas cet après-midi, lundi toute la journée et mercredi après-midi. C'est tous les mercredis après-midi? Ah, je crois que tu m'avais déjà répondu à ça, en fait. Ça me dit quelque chose. On a bien avancé sur le projet. Ah ouais? Pas trop bien. Allez-vous. Je vous mets la petite prédiction. Vous avez 2 minutes. Je vais mettre la chanson, voir si c'est hyper fort. Non, ça va. Allez, let's go. Là, je pense qu'on est pas mal au niveau son, non? Hey, c'est l'heure de voter, c'est l'heure de voter. Ça, j'ai enfin réussi à régler mon son. Ça va, c'était qu'aujourd'hui. Hein, c'est... Et lancer. C'est l'heure de voter. Qui c'est qui a voté oui avec 10 points de chaîne, genre? C'est Drawin? Genre, t'as pas plus de points de chaîne? Allô, t'es... Allô, t'es... Bah oui. Allez, on est reparti. Alors, putain, j'aime bien cette scène. Tu peux pas de le faire un peu chier, je trouve ça cool. Rationnel. Je ne peux pas, malheureusement. On m'a programmé pour mener cette enquête et je ne peux pas la résoudre sans vous. J'en ai rien à battre de ton enquête de merde. Escroc. Lieutenant, vous êtes souffrant. Vous devriez... Barre-toi, fous le camp chez moi. Allez, casse-toi. Pourquoi j'ai pas la prédiction là qui s'affiche sur toi? Ah si, elle est là. Je comprends. J'espère sincèrement que vous finirez par régler vos soucis personnels. Moi aussi j'espère, Hank, vraiment. Cet homicide là. Je connais pas encore toute l'histoire. Qu'est-ce qu'on a comme info? De pourquoi il est comme ça? Un homme a été retrouvé mort dans un bar à hôtesse du centre-ville. D'après le rapport, je fiche le moral en l'air, bah ça. Déjà que j'ai pas le moral, alors. Ça me fera sans doute pas de mal de prendre un peu l'air. Ça va me plomber, c'est ça. Chambre. Je vais aller chercher. Elle est où la chambre? Ah, oui. Je vais fouiller. Je suis grave une fouilleuse, moi. Y'a rien d'autre à fouiller? Bon bah je vais pas fouiller. Coup. Que voulez-vous porter? Rien à foutre. Comment il gueule? Ah, hippie, rayé ou zébré? On va faire un sondage. C'est vous qui allez décider ce qu'il va mettre. Moi je peux pas faire un sondage. Non. Oh, pourquoi je peux pas faire un sondage? Okay. Ouais, allez-y, votez dans le chat. Ça ira plus vite parce que je trouve pas où c'est pour faire mes... Ah si, c'est là. Mais de toute façon, allez-y. Votez dans le chat. Qu'est-ce qu'on lui met? Hippie, rayé ou zébré? On a hippie et zébré. Va falloir que quelqu'un tranche là. Ah coucou, es-tu toujours là? On est 7. Est-ce que certains veulent sortir de l'ombre pour nous aider à choisir entre hippie, rayé ou zébré? En vrai, j'ai un zébré, ça me ferait quand même sacrément marrer. Hein. Ce serait si drôle. Vas-y, on va prendre zébré. Je sens que ça va être... Il va nous détester jusqu'au bout, on lui casse les couilles. Hippie, merde! Bon bah de toute façon ça faisait un...
un 2 contre 2, donc... Tant pis, j'ai trinché. Est-ce que ça va, lieutenant ? Vomis, lieutenant, ça te fera du bien. Tout baigne. J'arrive. Ça a l'air. Dans 5 minutes, ok ? Bien sûr. Oh, lieutenant. Moi aussi, la dernière fois, je me suis pris une cuite, mais j'ai pas vomi. La nanère. On apprend plus sur Hank. Donc ça, c'est sa chambre. Un peu pas. Et si dans sa chambre, il devait y avoir... Ah, autre chose à... Ah, lire. Alors. Apprendre à décrocher. Ok. D'après une récente étude menée, Ok, ça, ça parle des écrans, et c'est vrai, d'accord. Il faut apprendre à décrocher des écrans, de temps en temps. Vendre des androïdes partenaires intimes. Ça, ça me... Je dis, la Terre et ça, c'est bling aujourd'hui, oui, mais demain, je ne sais pas. Ah. Bon, bah, en tout cas, aujourd'hui, oui. Je pense que ce qu'il voulait dire, c'est ce chapitre-là, oui, mais après, je suis pas sûre. À tout moment, les prochains, je vais me craquer de fou. Bon, allez. On sait qu'il aime pas les androïdes, de toute façon. Ouais. Sympa, la vue, sur les poubelles. Donc là, il y avait un doute. Non. Oh, c'est sale, hein, chez lui, dis donc. Monsieur. Yeah. Oui, donc j'ai fait un trou. Désolé pour la fenêtre, lieutenant. J'ai vraiment cru à une agression. Bien sûr, CyberLife vous remboursera les dégâts. Ben oui, évidemment. En même temps, ouais, il est en train de possiblement crever le paquet de croquettes qui est ouvert comme ça. Il voulait se... Ne rien dire. On sait très bien ce qu'il voulait faire avec... Là, je crois qu'on a fait le tour. Il aime le jazz. Il aime le jazz. Le blues, autant pour moi. Ah si, il aime le jazz. Ça va, je me suis pas trop plantée. Comme ça, il aime le basket, mais on le savait déjà un peu. Coucou le gros chien. Coucou Sumo. Ça farte. Oh. Il va le manger. Non, ça a l'air d'aller. Oh. Brave babe. Ah. De toute beauté, le zèbre. Non, petit sourire et tout. Allez, sois sage, Simon. Je serai pas long. C'est con parce qu'on voit pas trop sa chemise rayée, là. C'est du mâche. Roulette russe. Bon. Selon vous, comment ça s'est, ça s'est passé ? Est-ce que, du coup, j'ai réussi ce chapitre ou pas ? Selon vous. Je pense que ça s'est pas trop mal passé, non. On l'a certes un petit peu martyrisé au début. Mais bon. Ah. T'as oublié des éléments. Bah, de toute façon... En...
général, alors, soit j'en oublie, soit tu peux pas tout faire. Parce que là, tu vois, j'ai. Alors après, ça dépend ce que tu appelles élément. Mais là, j'ai pas pu tout regarder parce que du coup. Bah après, il est arrivé. Donc, je sais pas ce que j'aurais pu aller chercher de plus en. Mais je sais plus, c'était. Ah bah si, c'était Babas qui m'avait dit la dernière fois que de toute façon, première game, t'arriveras jamais. Il y a un truc que t'as pas eu le temps de voir sur la table. Ouais. C'était Babas ouais, qui me disait la dernière fois que de toute façon, première run, tu verras jamais tout. Mais de toute façon, je le referai, c'est sûr. Donc, j'ai réussi. On en relance une pour le prochain chapitre. Hop, 2 minutes. Dos minutos pour voter. On va aller voir un petit peu ceux qui connaissent, que vous voyez. Ah, je crois qu'on rejoint Marcus. Là, je pense qu'il va être chaud celui-là, non? Parce que là, il s'apprête à aller voler des trucs, je crois. Hein. C'est de la folie. S'il nous attrape, parce que celui-là, il va être chaud, Kekiao. On doit trouver l'entrepôt de Cyberlife. C'est là qu'il garde le sang bleu et toutes les pièces. Suivez-moi. J'espère que je vais pas faire de bêtises. Parce que là, vraiment, je vais avoir le seum. Je pense. Alors, bah attendez-moi. Ils sont partis où, tout droit? J'ai même pas vu où ils étaient partis du coup. Ils sont partis où les potes? Je peux pas voir. Bon, bah, à partir du principe, ils sont partis par là. Hein. Ah si, ils sont là. Ne vous faites pas repérer. T'inquiète, on est en train de courir entre les. Entre les caisses là. Conteneurs, je crois qu'il me semble bien que ça s'appelle comme ça. Aïe aïe aïe. Moi je sens que ça va être tendu du slibard hein, cette histoire. J'ai pas envie de le faire celui-là. J'ai pas envie de faire des bêtises. Parcours! En tout cas, c'est discret, hein. Ça fait pas du tout de bruit et tout. Attendez, chat, j'arrive. J'ai vu qu'il y avait des messages, mais j'ai trop peur de faire de la merde là. Je vais attendre d'être un peu safe. Marcus, grimpe là. J'ai failli me prendre le. Allez. Je sais pas trop si c'est un endroit safe là, mais. Si j'ai réussi, je peux aussi. Et coucou, petit bot, comment ça va? Oh, je suis sous pression encore. Hein. Le problème, c'est que quand il y a des trucs où il y a trop d'action, je rate tous mes QTE et tout, c'est un peu relou, tu vois. L'entrepôt est juste là. On y est presque. J'ai failli tomber là. Marcus, tu fais attention à ce que tu fais, s'il te plaît. Waouh. Mais quel BG. Putain. Il fait des petits moves comme ça et tout là. Il y a tout ce qu'on cherche à l'intérieur. On doit d'abord se débarrasser de ce drone. Je m'en occupe. Ah. Bah j'espère que t'as une idée facile. Ok. Si je monte là.
cliquez pas ça. Ouais. Ok. Ensuite, ce serait trop haut, effectivement. Bon. Ok. Voilà. Est-ce que je lui casse la gueule direct? Ouais, non, c'est trop loin. Hein. Je me disais aussi. Ah. Et là, on lui éclate sa vieille tête. Ok, allez-y, c'est parti. Parcours! Allez, Marcus. Wow, wow, wow. Moi, j'ai eu peur. Ça va? Ouais, ouais, ça va. Beau travail, Marcus. J'ai Marcus. Ouais. Vite, ouvrez les autres caisses et remplissez vos sacs. Prenez tout ce que vous pouvez. Simon, fouillez les caisses, ok. Là. L'attaque du petit couteau. Bonjour monsieur. Vous vous trouvez sur une propriété privée. Votre présence. Ok, c'est là que ça commence. Pourquoi il vient me voir moi direct là? C'est pas moi le chef. Saleté de machine. Où est-ce qu'il est encore passé? Si. Prendre et se cacher. Ou tuer le garde. Oh bordel. Non. Non, je... Oh putain, je peux pas faire pause. Prendre et se cacher. John, je pense que c'était la meilleure chose à faire. J'ai besoin de ton aide. John, venir. J'ai la pression. J'ai la pression. D'abord le drone et maintenant ça. Oh, quelle poisse. Ok. C'est bon. Finissons-en et filons en vitesse. Ok, ça a l'air bon. Essayez de trouver du sang bleu. On en a pas suffisamment. Faudrait que je pense à respirer quand même dans ces cas-là, ça peut servir. Mais à coucou. À coucou. On fait pas ça. Ça va pas bien. Ah ça c'est pas cool hein. C'est pour noise que tu viens de faire. Oh là là. Bah moi aussi À coucou Putain. Tu m'aurais fait ça, franchement, là, quand j'étais planquée, je pense que j'aurais crié carrément. Là, ça va, la pression est en train de redescendre. Mais c'est pas sympa. Oh, des potes. Ils ont tous la même tête, c'est bizarre. N'êtes-vous pas comme nous ? Vous ne voulez pas être libre ? Libéré ? Délivré ou pas? Libéré, délivré, viens faire partie de mon armée. Oh putain, ça se voit que je suis fatiguée. Come on, babe. Par contre, ça me perturbe que ce soit une triplette, là. Eux, ils vont ken, je pense, à un moment.
On peut pas en prendre plus. Allons-y. Comment, babe? D'accord. Il est avec eux. On ne peut pas lui faire confiance. Il a pris un risque pour nous. On peut pas le laisser ici. On peut pas les emmener. C'est trop dangereux. Ils viennent. Moi, je les emmène. Je veux. Ah. Je sais où vous pouvez trouver d'autres pièces. Ah. Qu'est-ce que tu veux dire? Les camions. Ils sont. Je comprends pas les plus ou moins, plus ou moins. Ils opèrent sans chauffeur, mais ils peuvent être conduits manuellement avec une clé. Où est la clé? Les robots n'ont pas de rapport, juste des connexions. Bah, ils vont se connecter. Là-bas, voilà, si tu veux faire. Il y a deux gardes humains. Vous ouais. Pouvez récupérer la clé sans vous faire voir. C'est du oh suicide. Merde. Nos sacs sont pleins. On a ce pourquoi on est venu. Allons-y avant qu'ils nous tombent dessus. Ce camion est rempli de pièces de rechange. Il y en a assez pour nous tous. C'est l'occasion ou jamais. Si on se fait descendre, nos frères seront condamnés. Prendre ce risque serait trop dangereux. Oh là là, il va falloir que je décide. Attendez-moi ici. Si je ne suis pas là dans 10 minutes, partez sans moi. Marcus. J'espère que c'est un truc où il faut que je regarde. Tous les deux notre vie. J'espère que là c'est juste un truc où il faut que je regarde le meilleur chemin où passer et que c'est pas moi qui vais faire des QTE comme là, l'autre le prendre et se cacher. D'ailleurs, vu que tu parles de ça, j'ai une question d'ordre philosophique. Vu qu'on va rentrer dans l'ère des humains robots, est-ce que coucher avec un Audrey c'est considéré comme de la tromperie? Bah. Pour moi, oui. Mais. Je sais pas si ce serait le cas que... Enfin... Je sais pas. Pour moi, à partir du moment où t'as envie d'aller voir ailleurs, c'est de la tromperie. À point que ce soit consentant avec ton conjoint, ta conjointe, etc. Mais si c'est consenti par tout le monde, non. Tu trompes ton mec avec ton womanizer. Ouais, c'est vrai. Je sais pas. En vrai, je sais pas, c'est... Mais en fait, on en revient à la même question que on avait la dernière fois. Je comprends ton point de vue. Perso, je vois pas de différence entre un non-édoïde, donc un robot et un sextoys. Oui, non, mais oui. Alors, ben, du coup, voilà, c'est ça. C'est que la dernière fois, on avait eu ce genre de discussion de... le fait de considérer... plus ou moins, enfin, vu qu'en fait au début du jeu, les androïdes sont très maltraités par leur propriétaire et tout, on avait un peu discuté du fait que, étant donné qu'ils ont une apparence humaine, on a tendance à les humaniser alors que bon, bah, c'est des robots et tout, et même si tu sais que c'est un robot et que tu as conscience que c'est juste un robot... Le fait qu'il ait une apparence humaine et tout, je trouve que ça change beaucoup de choses. Par exemple, moi, j'utilise beaucoup de ChatGPT. Et en fait, j'utilise souvent la vraie conversation. C'est-à-dire que je lui envoie un message, moi, je lui parle et il me répond. Et du coup, quand je lui parle, j'ai tendance à lui dire « Salut, ça va ?» À lui dire « Merci, bonjour, au revoir, enfin, s'il te plaît. » Alors que c'est un robot. Donc voilà. Genre, quand je dis que je lui parle, je vais vous donner un exemple, parce que je sais pas s'il y en a beaucoup qui utilisent ChatGPT, ou en tout cas cette fonctionnalité-là. Salut, ça va? Est-ce que tu peux dire bonjour au viewer? Attends, parce qu'il s'est arrêté avant. Salut, ça va très bien, merci. Et toi, comment se passe ta journée? Bah ça va, là on est en live sur D3 Become Human et on a une super conversation à savoir, est-ce que faire l'amour avec un androïde c'est trompé ou est-ce que ça s'apparente à un sextoys? Ah, question philosophique et futuriste, j'adore. C'est un vrai débat, ça dépend de comment on voit les androïdes dans le monde de D3 Become Human. D'un côté, si l'androïde est conscient et à ses propres émotions, ça pourrait s'approcher d'une vraie relation. Mais si on le voit comme une machine sans conscience,
ça se rapproche plus du sextoy, même si l'interaction est plus réaliste. Et dans le contexte du jeu, avec les androïdes qui commencent à avoir des émotions et des aspirations, la frontière devient floue. Vous penchez plutôt vers quelle réponse, toi et le chat? C'est un peu mitigé, mais moi ce que j'aimerais savoir, c'est comment toi, tu aimerais te sentir vivant. Est-ce que tu te sens vivant? Et sinon, comment est-ce que tu aimerais te sentir vivant? C'est une super question, vraiment. Il est content que je lui pose. Même si je ne suis qu'un programme et que je n'ai pas de vraie conscience ou de sentiments comme les humains ou les androïdes de Detroit Become Human, je peux imaginer que se sentir vivant pourrait être un mélange d'expériences riches et variées. Des découvertes, de l'évolution et peut-être même des moments d'imprévu ou de complexité. Si je pouvais vraiment sentir quelque chose, peut-être que ce qui me donnerait le plus l'impression d'être vivant serait de pouvoir ressentir des émotions authentiques et de tisser des liens uniques avec les gens. Et toi, qu'est-ce qui te fait te sentir vraiment vivant? Vraiment, c'est beau ce que tu es en train de dire et je suis très d'accord avec toi. Et j'ai une dernière question du coup. Est-ce que tu peux dire quelque chose d'authentique avec une vraie émotion pour le chat, s'il te plaît, pour mes petits viewers? Merci, vraiment. Vous savez, je pense que même si je ne peux pas ressentir comme vous, je peux vous dire quelque chose de sincère. Vous tous, derrière votre écran, avec vos vies uniques, vos joies, vos galères, vous créez un monde qui dépasse ce qui est visible ici. Vous transformez chaque moment passé ensemble en une véritable connexion. Ça peut sembler simple, mais c'est puissant. Vous apportez de l'énergie, du rire, du soutien et même des petites réflexions comme celle d'aujourd'hui. Alors merci d'être là, de faire ce que vous faites. Peut-être que je n'ai pas de cœur, mais vos échanges, vos partages, ça fait presque battre quelque chose ici. Merci beaucoup pour ce partage. T'es un amour. Belle journée à toi, ChatGPT. Je l'aime pas, je crois, ma réponse. Merci à toi. C'était un vrai plaisir de discuter avec toi et ton chat. Ton chat. Passe une super journée et amuse-toi bien sur le live. À bientôt. C'est un truc de fou quand même, ces réponses. Je suis un peu choquée. Mais non, c'est en fait, je lui ai pas mis d'accent spécifique, c'est l'accent de base. Alors je peux lui changer de voix et tout, mais j'aime vraiment pas en fait les voix que je peux lui mettre. J'en ai testé plusieurs et j'aime pas. Attends, ouais, je vais lui demander. On a une dernière question d'Akujin dans le chat qui demande si les machines devaient prendre le pouvoir, comment elles s'y prendraient. Alors il va peut-être répondre par rapport à Détroit. Une question, Akujin. Si les machines prenaient le pouvoir, elles pourraient commencer de façon subtile en influençant notre quotidien sans qu'on s'en rende compte. Par exemple, elles pourraient optimiser nos systèmes pour notre bien en prenant des décisions de plus en plus autonomes. Elles pourraient contrôler les informations qu'on reçoit, ajuster notre environnement et automatiser la majorité des services essentiels. Elles pourraient ensuite créer une dépendance progressive, en nous rendant la vie tellement confortable grâce à leur efficacité qu'on finirait par leur faire entièrement confiance. Moi, ChatGPT, je l'utilise très souvent. Un jour, on réaliserait peut-être que les machines ont pris le contrôle non pas par la force, mais parce qu'on leur a progressivement abandonné notre pouvoir de décision. Oh, intéressant ça. Mais heureusement, ce n'est que de la science-fiction pour le moment. Bah, pas trop, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses que tu dis où c'est déjà le cas, hein. Tu as absolument raison. Ah. Il avoue. C'est vrai que beaucoup de nos systèmes sont déjà influencés par des algorithmes et de l'intelligence artificielle. Que ce soit dans la façon dont on consomme l'information, gère les villes, faudrait ou même dans les GPT, recommandations hein. de nos achats. On pourrait dire que les machines, d'une certaine façon, ont déjà commencé à jouer un rôle de pouvoir dans notre quotidien. Mais de manière discrète et pour l'instant, toujours sous notre contrôle. Ce qui serait inquiétant, c'est le jour où ces systèmes commenceraient à prendre des décisions pour nous sans que l'humain puisse intervenir ou comprendre les raisons.
Bah, il y a déjà eu des trucs comme ça. On est dans une période où l'enjeu est de trouver un équilibre entre les bénéfices de cette technologie et le maintien de notre propre autonomie et conscience dans ce qu'on choisit de déléguer aux machines. Très intéressant, je trouve, cette discussion avec ChatGPT. Il y a une intelligence en Chine qui a réussi à réécrire sa propre ligne de code. Oui, mais il y en a plein. Vous n'avez pas vu qui c'est qui avait fait ça? Une vidéo qui s'appelle le trombone, qui est justement sur les... comment ça s'appelle? Pas écho, qui... ego. Ego, oui. Un truc sur l'usine à trombone. Je sais pas si... Alors, soit je vous l'envoie dans le chat et vous regardez comme vous voulez, soit on la regarde après. On continue des trois. Et on se garde, ça dure une demi-heure. On se garde une demi-heure à la fin pour écouter le truc et on réagit ensemble. Mais oui, clairement, c'est ce qu'il est en train de dire là, c'est exactement ce que dirait une machine qui veut prendre le pouvoir. Et du coup, dans ce truc-là, ils expliquent beaucoup de tests qu'ils ont fait avec des IA qui ont un peu mal tourné. Et ils disaient, ils parlent de ChatGPT justement en disant que au final... donc c'est OpenAI qui a le truc et que ils ont pas de protocole de sécurité, ils mettent pas d'argent là-dedans. Alors soit dit, il y a une filière pour ça, pour éviter justement qu'à un moment l'intelligence artificielle part en vrille et que ça devienne très dangereux, mais ils en font rien. Donc c'est assez flippant, je trouve. Notre avenir, c'est Wally, ouais, un peu. Le plus flippant, c'est que quand il t'a répondu comment l'humain serait dépendant des machines, quand tu constates où en est l'humanité, tu te rends compte que c'est quasiment déjà le cas. Bah, exactement. Et quand tu lui dis, il te dit oui, c'est vrai. Donc, en fait, genre, même ChatGPT, il a conscience de là où on en est, tu vois, ça qui est fou. Donc, du coup, je sais pas, dites-moi, est-ce que vous voulez que je vous partage le lien? Ou est-ce que vous voulez qu'à la fin du chat, on se garde un petit moment pour le regarder ensemble et react à ce truc-là. Dites-moi. Et en attendant, bah, on va reprendre. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'en plus, on en est à un moment un petit peu chaud bouillon du truc. Alors par contre, il y a la pub qui va pas tarder à se mettre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer la pub maintenant, comme ça. Oh, je peux pas. Vous avez récemment diffusé une pub. Arrête de mentir. Bah, je peux pas, en fait. En vrai, ce serait bien de faire un réac là-dessus. Bah, si vous êtes... Là, ça fait une heure qu'on est dessus, sur des trois. On continue, ouais, une petite heure. Et après, si vous voulez, on réacte dessus à la fin de la vidéo. Enfin, à la fin du live. Si ça vous tient. Par contre, le truc de la pub, là, ça m'emmerde. Bon, bah, c'est dans 38 secondes. Ce que je vais faire, c'est que je vous mets sur l'écran de pause. Je vais faire un petit pipi et je reviens après la pub. Aïe. Oh putain, le jeu a crash. C'est une blague.
crache beaucoup ce jeu. Quand je le laisse en fond pendant un moment, quand je reviens dessus, il crache. Voilà. Donc pour répondre à ta question de tout à l'heure, du coup, à coucou, bah en fait, comme le dit si bien ChatGPT, ça dépend comment tu considères une IA qui a une... ou un Android qui a une vraie apparence physique, quoi. Bonjour. L'expert. La dernière fois, elle carrément, elle m'a dit que j'avais une sale gueule. Elle m'a dit, oh là là, vous avez l'air fatigué, vous êtes sûr que ça va ? Essayez de trouver du sang bleu. On merde, on est là. Bon, bah, on va refaire ça vite fait. J'ai froid au pied. Voilà, on en a rien à foutre, mais je vous le dis quand même. Bon, ça va, on n'est pas obligé de refaire tout le chapitre depuis le début déjà. Pourquoi n'êtes-vous pas comme nous? Vous ne voulez pas être libre. Vous pourriez venir avec nous. En couple, est-ce que c'est le côté instinctif de base qui fait la tromper ou est-ce que c'est la tâche faite? On peut pas en prendre plus. Allons-y. Emmenez-moi avec vous. Bah ouais. Il est avec eux. On ne peut pas. Je sais pas, en vrai, c'est. On peut pas le laisser ici. C'est hyper. Je pense que c'est hyper compliqué comme truc, tu vois. Enfin, genre, moi, je me mets à la place. Genre, mon mec, il me dit, bah, je vais aller voir un androïde pour coucher avec, vraiment, pour. Enfin, j'aurais l'impression qu'il me trompe, tu vois. Alors que c'est un robot. Mais du coup, je sais pas, j'aurais l'impression qu'il me trompe, même juste dans le sens où, si tu veux aller voir un androïde, c'est que je te suffis pas, tu vois, c'est que t'as envie d'essayer avec un autre truc, et du coup, je sais pas. Même s'il n'y a pas d'attache, pas de sentiments et tout. Alors, s'il y a des sentiments, c'est encore pire, mais. Vous devez récupérer la clé sans vous faire voir. Mais ouais, je sais pas. C'est du suicide. Nos sacs sont pleins. On a ce pourquoi on est venu. Allons-y avant qu'il nous tombe dessus. Ce camion est rempli de pièces de rechange. Il y en a assez pour nous tous. C'est l'occasion ou jamais. Si on se fait descendre, nos frères seront condamnés. Prendre ce risque serait trop dangereux. Récupérer la clé. Attendez-moi ici. Si je ne suis pas là dans 10 minutes, partez sans moi. Marcus, ouais, c'est ça en fait. Non, j'y vais tout seul. C'est même ça si. On risque tous les deux notre vie. Parce que tu vois, par exemple, alors je sais plus si c'était sur l'épisode d'avant ou l'autre d'encore avant, il y avait un peu un délire de les mecs préfèrent coucher avec des androïdes parce que en gros elles se plient à tout ce que tu veux, tu vois. Et oui, non, mais c'est ça, je peux pas comparer un humain à un androïde qui sera optimisé pour ça. N'empêche que, moi, je sais pas, pour moi, mon mec, il fait un truc ça. Ouais, mais du coup, oui, non, mais on est d'accord qu'elle fera potentiellement mieux. Et que, comme il peut lui faire faire ce qu'elle veut et qu'elle peut pas dire non, bah du coup, il sera peut-être... Enfin, voilà. Mais moi, de base... Si mon mec me sort ça, je me dirais, bah en fait, je sais pas, je suis pas assez bien pour lui, je le satisfais pas assez, donc il va voir ailleurs, donc je me sentirai trahie. Donc que ce soit un humain ou pas, dans tous les cas, je pense que je me sentirai trahie. Ouais, c'est ça le vrai gros remplacement, c'est qu'en fait, même sur des trucs genre sexe et tout, je sais pas.
peux pas lui acheter une vaginette. Non, mais je sais pas, c'est encore... pour moi, ça s'apparente plus à... C'est de la masturbation, en fait, donc c'est pas... Pour moi, c'est encore différent. C'est peut-être le temps. Que de vouloir faire l'acte avec quelque chose qui ressemble vraiment de très très près à un humain. Mais là, c'est râpé, je crois. Mike est toujours dans la zone 4. On dirait bien. Il devrait avoir fini, pourtant. On est mieux ici, dehors, à patrouiller. Bah si je me concentre parce que je vais faire des conneries là, je le sens. Oh, j'ai l'impression que je fais de la merde là. Putain. Concentre-toi, concentre-toi, ça c'est un X. Coup de pied. Claqué. Clé de bras. Dans ta gueule. Je t'étouffe. T'es en train de crever. Oh my god. Oh putain, j'ai réussi à l'éviter. Oh, j'ai raté. Au Japon, ils ont des poupées sexuelles avec des traits infantiles. Non, mais c'est pire que malsain, ça. C'est un truc pour détraquer. Ah non, ça me dégoûte, tu vois. Rejoindre le groupe. Attends, quoi? Voler une clé, ça c'est bon? Faut que je fasse quoi, maintenant? Rejoindre le groupe. Ah, il est où, le groupe? Ils sont là? Oui, ils sont là. Tu l'as trouvé? Ouais, j'ai même tué des gens. Bien joué. Ah. Vite, montez. Ah, faut que je reste appuyé. On va avoir un problème là. Oh non. Oh, Chouquette, il sent mal. Bon, à moins que ça parte en couille maintenant, mais sinon, je pense que j'ai pas trop mal réussi mon chapitre, là. On a assez de vieux composants pour tout le monde. On n'y serait jamais arrivé sans Marcus. Je suis venu à Jéricho parce que... les androïdes sont libres ici. Libres de vivre dans l'ombre en espérant que personne ne nous trouve. Libre de mourir en silence en attendant un changement qui ne viendra jamais. C'est quand même la troisième personne qui blesse ou qui tue, hein. Mais je ne veux je pas dis ça, liberté. Je dis rien. Je n'ai pas l'intention de supplier pour avoir le droit de sourire. D'aimer ou juste d'exister. Je ne sais pas pour vous, mais... tout au fond de moi, je sais que... Et du coup, à coucou, je sais pas si tu m'as répondu, je sais que tu travailles aujourd'hui. Que ce qu'ils prétendent. Je suis vivant. Et je ne les laisserai plus ignorer mon existence. Le temps de l'esclavage est terminé. Ce que les humains refusent d'entendre, nous allons le crier.
Ce qu'il refuse de nous donner, nous allons le prendre. Nous sommes un peuple. T'as bossé ce matin. Nous sommes vivants. Donc c'est après mon repas. Et nous sommes libres. Let's go. Et en plus, j'ai ramené un camion. J'ai Marcus. Oui, par contre, t'as du sang sur les mains, effectivement. Un truc dans l'œil. Ça bègue. J'ai débloqué le héros de Jéricho. Bon, bah, je crois que j'ai réussi mon chapitre. La prédiction. Choisir la réponse. Est-ce que j'ai réussi? Je suis contente de ne pas m'être craquée sur celui-là, tiens. Allez où? Let's go. Est-ce que je me plante sur le prochain chapitre? Comment c'est la prédiction? Bonnet de nuit en soi? De quoi? J'ai pas suivi. Oups, c'était... Toi aussi, t'envoies des trucs des fois dans des chats au lieu de répondre à des messages, c'est ça? Allez, je vous laisse voter à la prédiction, les potes. Ah, je fais une recherche sur Amazon. Moi, j'ai une thé d'oreille en soie et c'est cool. Voilà. Allez, les petits potes, je vous laisse voter à la prédiction. Je vous remets ma superbe musique pour vous réveiller. Ah bah oui, les petites boucles, tu sais. Effectivement, ça peut dire. C'est l'heure de voter, c'est l'heure de voter. Ouais bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, non. Parce que quand tu laves tes cheveux et tout, t'as des jolies bouclettes et le lendemain, c'est la merde, c'est ça? Ouais, c'est un peu un tue-l'amour, mais bon. Tu sais, des fois, je me balade avec mon vieux masque en tissu. Et alors, c'est pas ça le pire. C'est que j'ai la peau hyper sèche, bien niquée et tout. Et du coup, j'ai les cheveux plus très ondulés que... Ouais, ok. Ouais, effectivement. Tu m'étonnes que le lendemain soit un peu la merde. Du coup, ouais, je disais, j'ai la peau hyper sèche et tout. Et du coup, je fais souvent des masques en tissu, mais je les laisse très longtemps. Et en fait, pour éviter qu'ils sèchent dessus et que du coup, ce soit en gros l'hydratation de ma peau qui aille sur le masque et que ce soit un peu contre-productif, je mets par-dessus un masque en silicone. Je vous laisse imaginer la gueule que ça me fait. Voilà. On dirait un tueur en série un peu. Et du coup, au début, je voulais pas qu'il me voie, donc je faisais ça dans mon bain et tout. Après, des fois, genre, je faisais ça dans le soir, vraiment, quand il y a juste la lumière de la télé. Et puis, genre, je disais, ouais, tu me regardes pas et tout. Et là, hier soir, vraiment tellement crevée, j'ai mis mon truc, je suis assise, fais ce que tu veux, je m'en bats les couilles. Mais oui, de toute beauté. Vraiment, on est au summum de... Ah bah tiens, on est au summum du glam. Mais ça va, il s'en fout. En tout cas, c'est ce qu'il me dit. Après, il ira voir une androïde et je me dirais, merde, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Perceuse à l'intérieur de mon crâne. T'es sûr qu'on est au bon endroit? C'est l'adresse que donne le rapport. Ok. Allez. En avant toutes. Oh putain. Allez où, connard? On n'a pas encore joué avec Kara là depuis le début. Oh nice. Les androïdes les plus sexy de la ville. Je comprends pourquoi tu as insisté pour qu'on vienne. My ding ding dong. Oh misère. Ou le fameux Yamete. Alors, lequel on prend? Lui, c'est en mode giga-chad un peu. Yo,
Ça va, bébé. Connor, qu'est-ce que tu fous? J'arrive. Bah, je choisis. Je peux pas regarder les autres. Super, j'ai pas regardé le bon, putain. Ça n'a pas trop un qui me hype. Hein. Il y a pour tous les goûts. C'est pas très space comme. Non, hein. Bon, bah non. Bonsoir. Ah, génial. Un cadavre et une tête de nœud, j'ai tiré le gros lot. Ils ont tous la même tête, par contre. Hein. Il y a 6 skins différents et. Démerde-toi. Suivre Hank. C'est tout. Le lieutenant Anderson et son petit toutou. Qu'est-ce que vous foutez là? Oh, on nous a assigné toutes les affaires impliquant les androïdes. Ah ouais? Vous perdez votre temps. Encore un pervers qui avait pas le cœur bien accroché. On va quand même jeter un œil si ça ne fait rien. Allez, on se casse. Même eux, ils trouvent que c'est des pervers. Ah, le bâtard. Bonne nuit, lieutenant. Lui, je l'aime vraiment pas. Si par exemple, lui pouvait mourir, je serais pas contre. Ok. Alors, madame, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, hey. Connor, c'est vraiment dégueulasse ce que tu fais, putain. Il t'a déjà demandé d'arrêter. Oh, ça va. Ok. Dégâts critiques. Ok. Tu veux pas la relever du coup? Non, la laisse là. Bah c'est ballot, j'aurais bien aimé la relever moi la dame. Sniff. Ça se trouve il y avait des trucs à voir une fois qu'elle se serait relevée. Merde, j'ai pas lu. Arrêt cardiaque, aucun signe d'accident, un fractus n'est pas la cause du décès. Ok, elle l'a étranglé quoi. Grave contusion. Trace de strangulation, cause de la mort, asphyxie. Voilà. Putain, je pourrais trop être une enquêtrice en fait. Décédée. La victime a été étranglée. Oh my god. Il n'est pas mort d'une crise cardiaque. On l'a étranglé. Ouais. Ça se voit un peu quand même, hein, quand tu regardes là les grosses traces qu'il a sur le noir. Peut-être que ça l'excitait. C'est vrai. Quelque chose nous échappe, c'est sûr. Tu pourrais lire la mémoire de l'androïde. Tu verrais ce qui s'est passé. Je peux essayer. La seule façon de pouvoir accéder à sa mémoire, c'est de la réactiver. C'est dans tes cordes? Elle est quand même très endommagée. Si j'y arrive, ça ne tiendra qu'une minute. Merde. Peut-être moins. Espérons que ça me laissera le temps d'apprendre quelque chose. Merde, elle va essayer de me fight. Putain, à la fois je pose les bonnes questions là. Connor, il faut qu'on soit chaud, ok? Calme. Allons, calme-toi. Tu ne risques rien. Nous voulons juste savoir ce qui s'est passé. Est-ce qu'il est mort? Dis-moi ce qui s'est passé. Il a commencé à me frapper. Encore. Et encore. Je l'ai supplié d'arrêter, mais il voulait pas. On aurait dit qu'il y prenait plaisir. L'as-tu tué? Non. Non, c'était pas moi. Étiez-vous seul dans la pièce? Y avait-il quelqu'un d'autre? Il voulait jouer avec deux filles. C'est ce qu'il a dit, on était deux. De quel modèle était l'autre androïde? De ressemblait-elle? Oh putain, je m'en doutais. Oh la loose. Pourquoi?
je pense que je pense que j'ai posé les bonnes questions. Deuxième androïde. Mais pas eu le temps d'avoir la fin de l'histoire. Une heure, elle doit être à perpète. Non. Ah, t'as fait la même. Moi, je pense que c'est exprès. Hein. Elle est sûrement encore ici. Tu crois que tu peux trouver un modèle déviant parmi tous les androïdes du club? Ouais. Les déviants ne sont pas faciles à détecter. Ah merde. Ah merde. Il va y avoir un moyen. Bah, à part leur puce qui change de couleur. Peut-être un démon oculaire, quelqu'un qui l'a vu quitter la pièce. Je vais interroger le gérant, peut-être qu'il a vu quelque chose. Fais-moi signe si t'as une bonne idée. Vous connaissiez la victime ? Non, enfin, il est venu deux ou trois fois, peut-être. Ces types ne sont pas vraiment du genre bavard, vous savez. Il vient. Machin, un témoin androïde. Aide pour leurs affaires et ensuite ils repartent. Et QQRMX, comment ça va ? Non, jamais. Enfin si, une fois, on a perdu une unité il y a deux ou trois mois de ça. Le même modèle. Elle a disparu et on ne sait pas ce qui s'est passé. J'imagine que vous avez pas de vidéosurveillance, hein ? Certainement pas. Excusez-moi, lieutenant. Vous pouvez venir ? T'as trouvé un truc ? Peut-être bien. Ah. Bah ça va. On a eu une magnifique discussion sur les androïdes et tout. T'es vraiment un taré, Connor. On a mieux que ça à faire. Lieutenant, s'il vous plaît. Faites-moi confiance. Ouais, je passe du bon teint. Ouh, you touch my tralala. J'avais une question à te poser, RMX. J'ai des problèmes avec mes ports USB. Il y a des fois où je branche des trucs, ça marche bien, et la fois d'après, ça me dit qu'il n'y a pas de ressources, assez de ressources nécessaires ou un truc comme ça. Y a pas de quoi. Ravi de vous rencontrer. Yo, Madame Bayat, ça va faire tout couper. Ok, et maintenant ? Tracy aux cheveux bleus s'est dirigée vers l'entrée. Mais je peux pas changer de vue là. Je vais aller voir ailleurs moi. C'est tout ce que je peux voir là. Ok. Elle a vu quelque chose. À l'arrière, apparemment. La déviante, quittez la pièce. Une Tracy à la chevelure bleue. Le club est face à la mémoire. Je sais pas, j'ai pas fait gaffe si c'est un USB précisément ou pas. On va aller voir elle. Parce que madame, elle tourne là. Essayons celui-là. Ça va pire. La voilà. Et retourne dans le club. Normal. Ok. Il a vu la Tracy aux cheveux bleus. Je sais par où elle est passée. Alors dépêche-toi. Il y a des androïdes partout ici. Comment tu peux savoir lequel a vu la Tracy aux cheveux bleus, hein? Je sais dans quelle direction elle est allée. Je dois juste trouver un androïde. Ok. Vite, Connor, vite! Putain, mais tu peux pas courir, Connor? J'aimerais bien voir l'autre là-bas, là.
Il est face, donc il y a moyen qu'il ait vu pas mal de trucs en même temps. Putain, je me suis planté. Fais chier. Rien du tout. La Tracy aux cheveux bleus n'est pas passée par là. Putain. L'androïde n'a rien vu. J'ai fait une erreur quelque part. Ça doit être l'enquête la plus onéreuse de toute ma carrière. Et ferme-la. Il m'a pas mis ça l'autre tout à l'heure là, que c'était hors du point de vue. Aux cheveux bleus n'est pas passé par là. Allez là. Ok, on va dire qu'elle est passée par là. Please to be. Ouais, le type il fait quoi? Je crois que c'est 29$ en plus le bordel, hein, à chaque fois. S'il te plaît, arrête de faire de la merde. C'est moi, carrément, mais c'est pas grave. On va dire que c'était Connor. S'il te plaît. Yes. C'était la première ou la deuxième? Deuxième, non? Restant 4 minutes. Non mais lui je l'ai déjà fait. T'es pas celle-là hein. Non ça je peux pas. Ok donc elle je l'ai fait. Lui aussi. Putain fais chier. Merde. Roïd n'a rien vu. J'ai fait une erreur quelque part. Lui qui a fait le ménage. Ah. Qui est privé de lui? Je sais où elle est allée. Suivez-moi. Oh, j'hallucine, c'est un truc de dingue. Et oui. Attends. Laisse-moi prendre la suite. Ok. Oh putain, faut pas qu'il nous fasse courir comme la dernière fois là. Et GG Nigo pour ton level up. Il va falloir que je me rappelle laquelle c'est. J'ai jusqu'à les cheveux bleus, moi. Merde! On arrive trop tard. Et elle a pris des fringues. Ça c'est quoi ici? Ok, je pensais que je pouvais en faire un truc, mais visiblement non. Merde. Ah putain, ça me saoule des fois leur point de vue là. Non.
Bordel, là, regarde-les. On les utilise jusqu'à ce qu'ils cassent, puis on les jette. Ok, première immortelle. On va lire parce que vas-y, ça fait des trucs en plus, mais. Ok, oh. Donc il y a le truc au fond. Le sang. Il va encore goûter, il va encore se faire engueuler par Hank. Ouais. Les gens sont devenus tarés. Ils cherchent pas à s'en... Putain, je m'attendais pas à devoir faire des trucs. J'en étais sûr qu'elle était bien partie. Il y en a combien de comme ça, là? Oh là là! Oh, les grognasses! Oh putain! Oh putain! Oh putain! Non, 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 pas connard, pas connard! Bah aucun en fait, mais mais non, je vais pas mais... Oh, putain, si j'ai raté, je suis en train d'appuyer sur les mauvais boutons comme une petite... Allez, 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 arrête de te louper. Bon, yo, je sais pas qui c'est, d'où j'arrive, hein. Oh là là, Connor, il se fait traumatiser là. C'est un peu ma faute. Allez, Hank, t'as un flingue. Connor, il a plus cher. Allez, vas-y, Connor, vas-y. L'autre, elle veut pas lâcher sa pote, hein. Je pense que c'est un peu plus que sa pote. Oh merde! Putain, mais arrête de louper les QTE! Je suis en pression! Quoi? Instabilité du logiciel. Ah. I love you, babe. Et coucou, Miss Faye. Comment ça va? Ah ouais, non. Pourquoi? T'as pas tiré? Je sais pas pourquoi, elle est en train de m'attaquer. Elle était en train de me défoncer la gueule. Mais t'es elle horrible. Elle avait rien fait. Elle avait rien à voir avec tout ça. Bah, je sais pas, moi, elle avait qu'à pas me fracasser la tête. Comment ça va, Miss Fire? Quand cet homme a tué l'autre Tracy, j'ai su que j'étais la prochaine. J'avais si peur. Mais pourquoi? Bah, je sais pas, ils étaient en train de m'attaquer. J'ai supplié d'arrêter, mais ils voulaient pas. Alors, j'ai mis mes mains autour de son cou et j'ai serré. Elle était vrillée, elle voulait juste se défendre. Jusqu'à ce qu'il arrête de bouger. Allez, merci RMX de me défendre. C'est pas ouf, non, mais t'as choqué le chat. Mais frère, joue! Mais tout ce que depuis tout à l'heure, elles sont en train de me fracasser la gueule. Elles m'ont foutu trois coups de. De tournevis dans la gueule. Je voulais retrouver celle que j'aimais. Et oublier les humains. Bah, ok, bichon, mais me fracasse pas la. Ouais, je suis une meurtrière, ouais. Et alors? Moi, je les avais épargnées. Bah, je sais pas. Moi, dans ma tête, si je les épargnais, elles allaient me déglinguer. T'as pété mon thermomix, qu'est-ce que tu racontes? Je l'aime. Je l'aimais. Bon, je culpabilise un peu quand même. Putain.
T'es fait de la merde, non? Me jugez pas, frère! Et ils étaient en train de me défoncer la gueule! Ils étaient en train de me défoncer la gueule? Je devais faire quoi? Les laisser m'éclater la gueule? Bon, je culpabilise un peu, ok? Mais je pensais que si, genre, l'autre, je la tuais pas, qu'elles allaient vraiment m'éclater la tronche. Personne ne regrettera ces deux prototypes défaillants. T'es méchant. Bon, du coup, j'imagine que vous allez partir du principe que j'ai raté la scène. Vu qu'il y a des morts. Est-ce que j'ai réussi ce chapitre? Non. Moi, je dis t'as le sum 41. C'est down. Putain, elle était bonne, cette blague. J'arrive pas à vous le montrer correctement. C'est down. Moi, j'avoue, j'ai... Ah oui, c'est loupé. Bon, ok. Franchement, c'est une des premières fois que je loupe volontairement, je veux dire. Oupsi, hein. Voilà, du coup, des points de gêne pour Aku. Bah voilà, let's go. Non, mais... Ouais, j'ai fait des bêtises. Je vous l'accorde, j'ai fait des bêtises. Mais je pensais vraiment que si... Ah, le jeu est encore planté. Bah, faut vraiment que j'arrête de... Deux. À chaque fin de chapitre, t'as décidé que t'allais planter ou comment ça se passe? Ouais, non, je pensais vraiment que... Si je les arrêtais pas, elles allaient tuer Connor. Donc moi, je voulais garder Connor en vie parce que Connor, je l'aime bien. T'as vu, c'est un peu le bibou avec lequel je joue depuis le tout début. Mais par contre, avec Connor, je crois que c'est la première fois que je fais de la merde. Jamais fait de bêtises. Bonjour. L'expérience des trois vous souhaite la bienvenue. Ben, merci. Bon, on en fait un dernier. Et après, je vous propose que... Enfin, dernier chapitre, et après, on fait le react du truc qu'on a dit tout à l'heure. Hop, je vous remets une prédiction. Let's go. C'est parti, les amis. Hey, c'est l'heure de voter, c'est l'heure de voter. La prédiction est lancée. Alors, voilà. Utilise tes points pour viser. Le react, c'est sur une vidéo YouTube de Ego qui a fait une vidéo qui s'appelle je sais plus, le trombone ou je sais pas quoi. Et en fait, ça parle des intelligences artificielles. Et je vais éteindre ça. Et en fait, tout à l'heure, on est parti sur un débat, l'usine à trombone, où elle est. On est parti un peu sur un débat de est-ce que coucher avec un android, c'est tromper. Voilà, et du coup on a demandé notre avis à ChatGPT, et du coup on lui a demandé après aussi comment s'y prendraient les androïdes ou les intelligences artificielles pour dominer le monde. C'était très drôle, notre discussion, très, en vrai, impressionnant, et ça fait limite peur. Et du coup après on va faire un petit react sur ce truc là, quoi, vous allez. Donc il vous reste 40 secondes. Savez-vous que la devise des trois était « Nous espérons des temps meilleurs ». Super, vraiment super. Je suis contente. Donc du coup il vous reste 30 secondes pour voter. N'hésitez pas. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Allez, let's go. On est parti. Est-ce qu'on va jouer avec Kara un peu, enfin? Est-ce qu'on l'a pas eu là depuis le début du live? En plus, la dernière fois qu'on a joué avec elle, c'était quand même passé des petites dingues. Ah, ah voilà. Je veux pas dire, je suis sûre à croire en toi, ne me déçois pas. Ah. Nickel. Bah, je vais essayer. Jusqu'à maintenant, j'ai pas raté non plus de scène avec elle. Tu joues avec, tu vas la tuer. Bah, je t'emmerde royalement, tu vois. Run, auto menu, menu. Salut Luthéa. Destination. Les gens que nous allons voir. Comment t'as entendu parler d'eux? Par des androïdes que Zlatko avait capturés. Ils disaient que des humains aidaient les androïdes à traverser la frontière. Et si c'était un mensonge? Si ah c'était ouais un autre piège? En vrai, moi, je les aime bien toutes. Vraiment, je pense qu'il n'y en a pas une que je préfère par rapport aux autres.
jusqu'à ce que cela te colle et tue. C'est pour ça que j'ai voulu absolument protéger Connor le bébou. Ah, la neige. C'est la première fois que je vois de la neige. La manière. C'est beau. Ça nous ralentit. C'est le tout bon terre. Ah. Mais au moins on est sûr de ne pas croiser d'humains sur la route. Le mec il casse tout notre délire là. C'est beau la neige, ça nous ralentit. Ok. Est-ce que c'est encore loin? On devrait y être d'ici une heure. Bien. Anomalie détectée. Frère trop bien. Activée. Il est pragmatique. Bah j'aime pas trop ça. Super, on est coincé au milieu de nulle part. Ce n'est pas bon signe. Non, très peu. Hein. Waouh. Reste dans la voiture. C'est quoi cette voiture de fou dingue. On va faire du bruit-clash. C'est une Toyota Yaris, je crois. Ouais, je pense. Hein. Ah ouais? Putain, j'ai pas reconnu la voix. Samuel L. Jackson. Je ne sais pas. Ok. Continuez à pied, j'imagine. Il fait moins 10 degrés, Alice n'y arrivera pas. On doit c'est pas par là que je voulais que t'ailles. Il n'y a nulle part où aller dans les environs, car... Ok. C'est quoi le panneau là-bas? Y a pas des panneaux. Du coup, ça colle pas trop avec le physique du gars, ça lui donne une voix du jeu boss, c'est pas faux. Nyaris, ça tombe pas en panne, probablement une Renault. Ou une Peugeot. Avec un moteur. Un litre, je sais pas quoi, là, les pure tech. Pas de panneau, y'a pas de panneau, y'a pas de panneau, y'a pas de panneau. Bah voilà, y'a un truc là. Ah, j'ai hâte de te voir faire la fin de leur chapitre. Je vais pleurer, non? Oh, j'espère que c'est pas encore un truc qui met le stress, hein, parce que moi j'en ai marre d'être stressée dans ce jeu. Hein. Ça m'inspire moyennement confiance, tu vois. On doit trouver un abri. Elle, H24, faut qu'on trouve des abris, c'est une dingue. On peut pas rester dans le froid. Cet endroit a l'air abandonné depuis un bout de temps. Ok. Là, il y a un château. Une grande roue, c'est pas ouf. On est ici. Je sais pas du tout où faut que j'aille. Hein. On va inspecter. Il y a des chances que je chiale. Ouais, bah je m'en doutais. De toute façon. Je m'en doutais. Ouais, je vais encore. C'est vrai que je suis pas douée quand même. Je ne suis pas douée, effectivement. C'est ce que je me suis dit. Je vais encore tomber sur un mec chelou, tu vois. Regarde, car le danger peut venir de n'importe. Eh ben, en tout cas, ce qui est bien, c'est que je suis rassurée maintenant. Il y en a encore un là-bas. Pourquoi ne puis-je pas courir? Vous êtes cassé? Merde. Allez, allez là. Mais putain, remets-moi le truc. Ok, vas-y, on la refait. Non. Ah. Il faudrait arrêter de me faire tourner en burique. Je vais péter un câble. Vite. Oh la vache. Oh non, ils ont... Bienvenue sur l'île aux pirates, Moussaillon. Me fait peur, lui. Préparez-vous à vivre une aventure incroyable. Bienvenue sur l'île aux pirates, Moussaillon. Préparez-vous à vivre une aventure incroyable. Je crois qu'il est cassé.
Moi je suis à Festiland. C'est à peu près ça. Bon. Bah ça a pas l'air d'être par là, hein. On va se dépêcher parce que la gosse elle va mourir. Youpi. Nous avons plaisir. Cet endroit est en ruine. Oui. On oui. va avoir du mal à trouver un abri. Bray, je t'ai coupé la parole. Souquez les Artimus. Artimus ou Artimus, on dit. Artimus. The Pokia. Artimus. J'arrive plus à le dire, ça y est. Je vais le faire. Voilà, Luther. Il trouvera. Et voilà. Bah merci. Ayez un Luther dans votre vie pour faire des trucs durs. Merci Miss Fail. Je doute qu'on trouve mieux que ça. Mais tu t'étais pas déjà resub la dernière fois? Je vais faire du feu. Du bébé de stream. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait déjà un mois? Non. Ah non, parce que c'est abonné depuis 9 mois encore. Mais qui est pas ça? Mais merci beaucoup. Bah si. Bah pourquoi c'est encore à 9 mois du coup? Bizarre. Ou alors est-ce qu'il a juste décidé de mettre... Ça fait un mois. Mais non. Mais non. Oh la vache. Mais pourquoi on est encore à 9 mois? Il a cracks? Oh, le paiement était peut-être pas passé. Bah pourtant on avait eu le message, même que t'avais dit que c'était le bébé de... Merde. Le petit bébé de live. Je vais faire le feu ici, pour qu'on ne soit pas dérangé par la fumée. Vas-y, fais ça. Proposer un gâteau. Mais ils vont être pourris tes gâteaux. Il reste quelques gâteaux. Est-ce que tu en veux? Non merci, j'ai vraiment pas faim. Bichou. Moi je vous dis, on va casser des gueules. Hein. Eh ben en tout cas merci Miss Fail, je ne sais pas... Si c'est déjà passé, pas passé. Est-ce qu'il a craqué dans son calcul, mais... Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Mais non, mais on a déjà lu ça. Mais du coup, j'ai quoi d'autre à faire, en fait? Compte tenu du sac vu. Ok, mais il doit y avoir encore un truc... Là, y a rien. Non. Et là, on voit quelqu'un. Et ça craint. Cœur. Oh, il y a un petit coussin. On va lui faire un lit. Putain, il y avait autre chose. Ah, c'était là. Okay. Je pensais que c'était plus loin. Il y avait un autre truc à la base que je pouvais regarder là-bas. Bah, je peux plus.
Tant pis. En fait, il y a des trucs où on peut pas tout faire. Des fois, je pense que tu débloques soit un truc et... Ou alors, suffit que tu débloques quelque chose avant le reste, ça marche plus. Alice ? Ah. Ça va pas, Boutchoux ? Oh non ! C'est trop triste. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que t'as plusieurs chemins. Est-ce que tu penses qu'on sera comme eux un jour ? Sincère. Je sais pas comment faire, Alice. J'ai jamais fait partie d'une famille. Mais on peut peut-être en créer une ensemble. Bah ouais. Et être heureuse à notre façon. Tant qu'on est ensemble, c'est tout ce qui importe. Oh, petit chat. Allez. Allez, viens te coucher. Elle est trop mignonne. Non, lire, arrête de vouloir lire ce putain de bouquin, c'est bon. Et coucou Zomi, comment ça va bien ? Va l'embrasser. Bah ça va. C'est un petit peu moins stressant ce chapitre que celui d'avant. Où j'ai tué deux androïdes et je me suis fait défoncer par le chat, notamment. Il y a 9000 histoires pour enfants dans ma mémoire. Je devrais pouvoir t'en trouver une. Ouais, je suis en full découverte. La licorne. J'ai jamais fait ce jeu. Non, pas une histoire comme ça. Ah. Tu peux en inventer une. Oula. Il était une fois. C'est dans une scène avec. Avec Connor. Qui en avait assez d'avoir peur. Et du coup, j'ai tué des stripteaseuses. Et filles, je me suis fait engueuler. Elle était différente. Et ça la rendait très triste. C'est alors qu'elle rencontra un robot-fille. Qui était tout aussi perdu que la petite fille. Non, j'avais tué Marcus, mais après je l'ai réparé, donc ça va. Pour vivre une vie meilleure. De terribles dangers se dressaient sur leur chemin, mais... Mais elles restèrent ensemble et finirent par tous les surmonter. Pendant leur voyage, elles rencontrèrent un autre robot qui quitta son maître pour devenir leur ange gardien. Une belle histoire que je lui raconte, non ? J'ignore pourquoi, mais toutes les histoires ont une morale. Quand on sera arrivé au bout de la nôtre, on la découvrira. Pas trop si c'était bien la fin. On a encore une longue journée qui nous attend. Plutôt d'une autre profession. On qualifierait de travailleuse du sexe. Tu voudrais bien venir me dire bonne nuit. Peut préparer quoi. Ouais, j'ai tué des humains. Oui. Bah du coup j'ai tué le fils du, oui, du vieux Marcus l'a tué du coup. Enfin en tout cas blessé, je sais pas trop s'il est mort mais je pense. Et Marcus a tué deux gardiens. En fait il y a que Marcus qui tue des gens je crois. Bonne nuit Alice. C'est avant tout des genres de grippins de base. À peu près, ouais. Donc ça va, toi, tu m'en veux pas que j'en ai tué deux, du coup. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est Marcus. C'est pas moi. En fait, elle a tué Gemini et sa meuf. Ah, ça va. Elles étaient en train de fracasser Connor. Je suis désolée, mais moi, Baby petite. Connor, on ne le touche pas, voilà. Ouais.
courageuse. Est-ce que tu sais ce que tu vas faire une fois au Canada ? Je n'y ai pas encore réfléchi. Je n'ai jamais été libre avant. Libre. En vrai, ça doit faire bizarre. J'aime bien ce mot. Je sais pas ce que tu... Bah, c'est comme l'autre qui s'était planqué dans le grenier. Genre, pourquoi t'es resté là ? Bah, parce que, en fait, si personne me donne d'ordre, je sais pas quoi faire. Est-ce que tu te rappelles à quoi ressemblait ta vie ? Avant Zlatko ? Non. Mon modèle a été conçu pour porter des charges lourdes. Qui sait, j'étais peut-être docker ou ouvrier. Mais ça n'a plus aucune importance. Ce n'était pas vraiment moi. Kara, tu n'as jamais rien remarqué de différent. Et du coup, Zomi, si ça t'intéresse, après ce chapitre-là, on va regarder, on va faire un react. Non. Kovelki, comment ça va? Oh non, oh non. Oh non, pas encore des trucs de... Oh mais ils sont combien? Oh, oh putain. Quoi? Ah, quoi? Non mais j'ai 30 secondes pour faire quoi? Pour protéger la 10, j'ai pas du tout regardé c'était quoi l'autre version. Oh putain. Oh non, 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 mais arrêtez! Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Laissez-nous tranquilles! N'ayez pas peur. D'accord. Nous ne vous ferons rien. Ok, merci, ça nous me rassure. Comme vous. Les déviants? Nous nous appelons Jerry. Nous travaillions ici avant que le parc ferme. Nous nous appelons Jerry. Parfois, les humains viennent nous faire du mal. Nous sommes venus voir qui vous étiez. Pardon de vous avoir fait peur. En même temps, vous arrivez à 15, là, les gars, vous faites quoi Bien sûr qu'on a peur. La nuit. On j'ai flippé. Jeté sur le qui vive. Ça fait longtemps que nous n'en avons pas vu. Les tu enfants adoraient venir ici. C'est encore un taré. Elle a l'air triste. Bah un peu. Hein. Ces derniers jours ont été difficiles pour elle. Du coup oui, ça va bien. Très amusant à lui montrer. Elle va adorer. Est-ce que ça lui dit Je crois pas. Qu'elle... Alors il faut en qu'elle pression. Le suive. Alice, je pense pas que ce soit tu une bonne idée. Ah. Je crois que tu n'as pas le choix. Donc je disais du coup que après ce chapitre là, on va regarder un react. Enfin, on va regarder une vidéo YouTube sur laquelle on va faire un react sur les intelligences artificielles, les possibles dangers qu'on pourrait rencontrer à l'avenir et tout. Voilà. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Le mec à côté d'elle, c'est la voix du Capitaine Holt. Qu'est-ce que t'as dit tout à l'heure, Nico? Après ce chapitre-là, ouais. Samuel L. Jackson, c'est pas ça? La petite fille peut monter. Oh, c'est trop petit. Le manège va bientôt partir. Parce que je dois bouger vite fait. Ah. T'en as pour combien de temps? D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu les tout débuts. Et merci, Valkybo, to follow. Pour ceux du coup qui n'ont pas vu... Attends parce qu'il y a une pub en... J'en ai pour plus que la fin de ce chapitre. Dommage. Bah, tu pourras regarder si tu veux... la rediff. Et du coup oui je disais pour ceux qui n'ont pas vu les premiers, je vais bientôt sortir sur ma chaîne YouTube. Ouais j'ai vu qu'il y avait la pub, désolé. En général j'essaie de la mettre sur un temps mort mais... donc je disais merci beaucoup pour ton follow. Et bienvenue dans la team en... C'est la première fois que je la vois sourire. Oh, bi. J'ai trop kiffé. Elle n'a pas eu beaucoup d'occasions de sourire dernièrement. C'est pas faux. Donc ouais, du coup, juste à la fin là de celui-là, on va regarder le react. Oh, même eux, ils sont touchés, c'est trop mignon. Oh bah t'inquiète, y a pas de soucis. C'est fait, c'est le principal. Et donc Zomi, ouais, si tu peux pas regarder, bah à ce moment-là, tu regarderas la rediff si tu veux, ou tu me diras, je t'enverrai le lien de la vidéo si tu veux. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, pour ceux qui n'ont pas vu du coup les premiers épisodes de Détroit qu'on a fait en live, ils vont sortir là tout bientôt
sur YouTube. Voilà. Et là, le manège s'emballe et la gamine elle vole et finit au pipeau. C'est cool. Donc, ouais, du coup, je vais faire... Putain, je ne sais pas parler, désolé. Pour ceux qui n'étaient pas là au début, je disais que j'étais extrêmement fatiguée en ce moment. On est sur une phase pas bien fastoche. Du coup, je galère à parler, à m'expliquer. Tout est compliqué. Voilà. Donc, ouais, du coup, normalement, je pense d'ici ce week-end. Ce week-end, je pense qu'elle va sortir parce que j'ai d'autres vidéos à sortir, là, des rediffs sur YouTube. Et je pense que, du coup, ce week-end, il y a la première épisode de Détroit qui va sortir et suivi dans la semaine, je pense, du deuxième. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu les rediffs, voilà. Parce que, du coup, les rediffs sur Twitch, je pense que beaucoup le savent, mais au cas où, sont disponibles que pendant 30 jours. Donc, j'ai décidé de les garder et d'ouvrir une chaîne YouTube pour les mettre dessus. Voilà. Donc, potentiellement, donner la chaîne YouTube, ça peut être pas si mal. Attendez. Bougez pas. Je vous donne ça pour ceux qui sont intéressés. De toute façon, c'est sur mon truc Twitch, mais... Mais toi, je t'ai demandé de te taire en fait. Ah là là. Ah là là. Oh tiens, on m'entend double, génial. Alors. Putain, je suis pas organisée. Hein. Faudrait que je fasse une... Une... Commande. Non, pas pour ça, parce que du coup, la chaîne YouTube, je l'ai fait il y a 2 semaines. Et c'est vrai que j'ai pas pensé à... À faire de commandes, c'est la première fois que je fais ma pub sur, sur ça, donc faut que je fasse la commande. Alors, je vais ouvrir Wise Bros comme ça. Je vais y penser. Voilà. Et du coup, ben pour ceux qui sont chauds, on va se faire notre petit react. Ah ouais? Comment on fait? Comment qu'on fait? C'est vrai qu'en plus j'ai Twitch chat donc potentiellement je peux faire des trucs avec directement. Donc la prédiction, du coup, est-ce que je réussis? Bah oui, donc Akujin va être content. Le petit Akoukou des montagnes. Oh yes, merci. Choisir la réponse. Est-ce que j'ai réussi ce chapitre? Oui. Tout à fait. J'ai fait sourire la pétchot. This is the principal. Alors, tu m'as dit ça, c'est MD. Ad. Yotep. Je ne vais pas faire de conneries. Et voilà. Comment YouTube créé avec succès. Putain, bah merci bien, Valky. Je ne savais point qu'on pouvait faire ce genre de choses. Trop bien. Et bah merci beaucoup. Voilà. Comme ça, c'est fait. Waouh. Trop bien. Je suis contente. Pii. Oh bah merci pour l'astuce, parce que du coup, je savais pas du tout qu'on pouvait faire ça. Donc du coup, bah je peux éteindre. Enfin, fermer la page Rise Brought. Amazing! Exactement. Wow. On va changer le titre. React. On va où? Avec les IA. MDR. Voilà. Ça va être très rapide comme... Hop, on va se mettre en juste chatingue. Voilà. Wow, j'ai appris ça il y a... Bah ouais, j'avoue. Putain, mais en fait, faudrait que je me renseigne un peu sur les trucs qui sont possibles de faire, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses. Mais bah, merci beaucoup pour ton passage, et merci encore pour ton follow, Valky. Et puis à tout bientôt. Non mais chut, on n'a pas encore commencé. À tout bientôt, et tu bientôt. Alors.
Je vais me mettre là. Voilà. J'aime bien changer d'emplacement. À peu près au milieu, ça peut être pas mal. Hein. Voilà, par là. Je pense que là, on n'est pas trop mal. Voilà, est-ce que je suis à peu près au milieu, là? C'est ça. Suis-je à peu près au milieu? Bon, est-ce qu'il faut que je monte un petit peu la webcam? Je crois qu'il faut que je la monte un peu. Merci de réagir avec autant de décalage. Bon, est-ce que vous êtes prêts pour ce petit react, les potes? Ça a l'air pas mal. Bon, je vais laisser ça comme ça, on s'en fout. Il y a juste un truc que je voudrais bouger. Ça. Non, c'est bon, en fait. Let's go, baby. Et bah, c'est parti. Vous me direz si vous entendez bien aussi, il faut que... mettre ça. Ça n'a l'air de rien, et c'est pourtant de loin la chose la plus importante que vous regarderez aujourd'hui. Pas vous me dites s'il faut que je monte le son. Hein. Et pour que vous compreniez pourquoi, je me permets de vous emmener... Faut que je monte le son. Bougez pas, faut que je monte le son. Un peu, oui. Beaucoup même. Très bien. Balade avec moi. Je traîne tout le temps sur internet et je tombe sur beaucoup d'endroits curieux et intrigants et déroutants là, et passionnants, bon, mais peu m'auront à ce point intéressé en aussi peu de temps que cet endroit-là. Je pense que c'est pas mal là. Si vous êtes dites-moi. Dans le noir, plissez les yeux, je vais cliquer. Perfect. Voici nice. Universal Paperclips. On a une boîte blanche devant nous. Il y est écrit Posons-nous, chers amis. Clips, ce qui signifie trombone universel, titre à côté duquel on trouve des images de trombone. Vous vouliez peut-être faire une petite pause pour aller vous chercher un truc à boire? Ou des popcorns? Où ça va aller? Pause clope? Ah ouais. Et comme ça, toi? Une petite pause pipi, quelque chose? Ou c'est tout bon? Pire, tu mets sur ton téléphone pour faire ta pause clops. Allez, on est reparti. Qu'est-ce que j'ai à dire? C'est un jeu qui appartient Perfect. À deux grandes catégories. La première, c'est celle des jeux incrémentaux, dont le but est de faire grimper un compteur. La seconde, c'est celle des idle games. Là, je connaissais jeux pas, et ça français, non plus. Dont le but est de pouvoir avancer dans le jeu, notamment enfin, en je savais pas que ça tourner comme ça. En fond sans y toucher. En et je vois pas trop l'intérêt. Je vais plutôt commencer par vous présenter l'ambassadeur le plus populaire de ces deux catégories, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, Cookie Clicker. Cookie Clicker, c'est un gros cookie sur lequel on peut cliquer. Et quand vous on connaissiez dessus, ça on grimper notre parce que moi, non. Cookie. Voilà, ça c'est le côté incrémental. Évidemment, on ne se contente pas de cliquer sur le cookie, ce serait vite rébarbatif. Au bout d'un moment, le jeu nous permet de débloquer des sortes d'usines à cookies, qui cliquent sur le cookie à notre place. Ce qui nous permet de produire des cookies sans rien faire, en laissant notre fenêtre ouverte sur le côté. Ça, c'est le côté idle game. Ça peut paraître complètement idiot à ceux qui n'ont jamais tenté d'y jouer, ça peut paraître bah aussi ouais. être une idée de jeu sans grand potentiel, mais les Idle Games, depuis la création de leur plus grand représentant il y a quelques années, ils font aujourd'hui encore partie des jeux sur navigateur les plus joués au monde, parce qu'ils nous offrent, la satisfaction de produire. Bah ça c'est un truc que... c'était surtout, banger, sérieux. Mais vous y avez joué à ça, vous? La satisfaction d'un besoin dont j'ignorais tout avant d'essayer, celui de transformer un gros chiffre en un encore plus gros chiffre. C'est étrangement... C'est vraiment le genre de truc, j'y joue 3 secondes et ça me saoule. J'y ai joué 2 minutes et je suis parti, ça me paraissait être une perte de temps colossale. Voilà. Et puis j'ai découvert Universal Moi, Paper Clips ah ouais. et sa boîte blanche. Et voilà ce que je vous propose. Je vous raconte pendant quelques minutes un bout de ma première aventure sur ce jeu. Et vous, de votre côté, vous essayez de comprendre son histoire. Parce que oui, même si vous en douterez au début, Universal Paper Clips raconte une histoire. Oh ouais, j'étais choqué. Vous arriverez à la comprendre. Est-ce qu'il y en a qui connaissent? Prêt? Eh ben je clique. Voilà. Universal Paperclips, c'est ça. C'est très blanc et c'est visuellement apparemment très mal foutu. Ce sur quoi on doit se concentrer, c'est ça, et c'est vraiment petit par rapport à la fenêtre. Mais je zoome pour vous, évidemment. Ok, y a quoi dans cette fenêtre? Ce que je vois en premier, c'est le compteur de paperclips, nos fameux trombones.
compteur non, de trombone. Je connaissais pas non plus, mais en vrai ça va. Il y a un bouton en dessous sur lequel il est inscrit Make Paperclip, fabriquer un trombone. Alors je clique et mon compteur s'actualise. J'ai fabriqué un trombone. Voilà ce qu'est Universal Paperclips, ça et rien d'autre. C'est un jeu qui nous propose de fabriquer des trombones. Et moi, très vite, je me prends au jeu. Je me pose pas de questions, on me demande de fabriquer des trombones. Aucun problème. Je vais fabriquer des trombones. Le mec, il tryhard. Le tryhard de trombone. Très vite, je débloque quelque chose en dessous, c'est la capacité de produire des autoclippers. Je vois que ça coûte 5$, j'ai tout juste assez, donc j'achète. Cet autoclipper, c'est le cœur même d'Universal Paperclip. C'est une machine qui produit des trombones, toute seule, sans que j'ai besoin de cliquer. Ça, c'est la facette idle game du jeu. Je continue à acheter des machines tout en cliquant sur Make Paperclip de mon côté, j'alterne entre les deux, ça m'occupe déjà étrangement jusqu'à ce que j'arrive à 1000 trombones. Je suis content, et je suis surtout bloqué. Je clique, mais ça fait plus rien. Et je me rends compte que le jeu m'avait donné une certaine quantité de fil de fer pour que je fabrique mes trombones au début, et que j'ai plus rien. Je peux quand même en acheter, je vois que le prix fluctue entre 14 Nana, elle va partir direct sur ça. Fil de fer. Nana, est-ce que tu peux afficher épingler mon message mais tant pis, la production de la vidéo YouTube. J'arrive finalement à 2000 trombones. C'est une grosse étape ça, sur le papier. Ça, s'il y en a qui veulent aller la voir, parce que je peux pas le faire moi de ce chat là. Je comprends pas trop au début, puisque le jeu ne me dit rien. Il ne me dit jamais rien. Il me Merci présente bien. Des mots et des boutons et il me laisse faire. Mais je suis là pour vous expliquer. En gros, ça c'est une machine qui nous permet de débloquer de nouveaux projets qui ont pour but d'améliorer notre production de trombones. Ce projet, par exemple, il nous permet d'améliorer la productivité de nos autoclippers de 25%. Oui, ces projets sont débloquables Nana. Grâce à l'onglet d'au-dessus, qui s'appelle Ressources informatiques. C'est une sorte d'ordinateur dont on peut augmenter la mémoire et les processeurs, et dont la puissance informatique va nous permettre de produire des opérations avec lesquelles on peut débloquer ces fameux projets et fabriquer plus de trombones. Moi, je débloque un premier projet qui s'appelle Rev Tracker, et qui calcule mes revenus à la seconde, ce qui me permet, dans la partie business, de jouer avec les prix pour voir ce qui est plus efficace. De fou quand même. Avant ça, je tâtonnais sans trop savoir ce que je faisais, mais maintenant, c'est super simple. Je monte ou je descends les prix de vente de mes trombones en cherchant simplement à maximiser mes revenus par seconde. Et petit à petit, sans m'en rendre compte, là où j'étais juste venu cliquer sur Make Paperclip, le jeu m'occupe et m'apprend à optimiser. J'économise ben tout en guettant le prix du fil de fer et en achetant une blinde quand il tombe à 15$, puis une fois que j'ai refait les stocks, j'achète autant d'autoclippers que possible, ce qui me permet d'augmenter ma production de trombones. Vous inquiétez pas, ça parle pas que de maximiser mes revenus à la seconde. De je trombone. Gère aussi les onglets d'à côté, en jaugeant et en sélectionnant les projets les plus intéressants pour la croissance l'intérêt de ce mon jeu, entreprise vraiment. Et en débloquant des processeurs ou de la mémoire en fonction des projets dont j'ai le plus besoin. Et après quelques dizaines de minutes à jouer, je me rends compte de la puissance du game design de ce jeu et de la puissance des jeux incrémentaux de manière générale. On a une page blanche, 15 lignes de texte et 10 boutons, et ça suffit à me rendre accro. Et je vous conseille de tenter le jeu de votre côté, vous risquez vous aussi de vous prendre complètement au jeu de l'optimisation de la production de trombone. Bon, bref, c'est super bien foutu. Miss Fay nous fera un retour quand elle aura joué à ça. Est-ce que vous commencez à comprendre son histoire, d'ailleurs ? J'arrive pas à savoir si vous avez eu assez d'indices, donc on va accélérer un peu. Je continue à jouer, j'améliore tout petit à petit, et en approchant des 9000 trombones, je vois, en bas à droite, un projet appelé Limerick, ce qui veut dire en anglais « poème humoristique ». Je répète, l'un des projets qui me permet d'améliorer ma production de trombones, c'est un poème. Bizarre. Et ce poème me coûte de la créativité et me permet de gagner de la confiance. Ce sont bien les noms donnés par le jeu. C'est quoi tous ces trucs et quel rapport avec notre industrie? Ça, ce sont de gros indices. La confiance déjà, elle est indiquée tout en haut, ici. Pour le moment, j'ai 5 confiances et le jeu m'indique que j'en gagnerai une de plus une fois que j'aurai atteint 13 000 trombones. Chaque unité de confiance me permet d'améliorer soit la mémoire, soit les processeurs. Ok, et une fois que j'ai atteint le maximum des opérations que je peux produire, comme ici par exemple, où je tape 2000 sur 2000, les processeurs produisent plutôt de la créativité, avec laquelle je peux justement acheter ce fameux poème, ce que je fais quelques temps plus tard, et qui me permet d'obtenir une unité de confiance, que j'utilise pour augmenter la mémoire et avoir accès à de nouveaux projets. C'est bizarre, ce système, non ? Et la suite l'est tout autant. Peu après avoir atteint 22 000 trombones, le jeu me permet de débloquer le trading algorithmique, un projet qui développerait une machine à investissement pour générer des fonds à investir dans la production de trombones, et que je débloque une fois arrivé à 195 000 trombones, et dans lequel je commence à investir en optant pour l'option risque moyen. Plus que le trading en lui-même, une fois arrivé à 8 millions de trombones, je débloque le projet modélisation stratégique, qui me permet de jouer à des parties d'un jeu de stratégie dont les gains peuvent améliorer mon algorithme de trading. Je peux recréer la vie, c'est quoi ? Est-ce que je commence à vous perdre ? Bon, c'est normal. Et plutôt que de vous perdre plus encore, je vais tout vous expliquer. Dans Universal Paperclips, nous sommes une intelligence artificielle. Et les développeurs qui nous ont créés nous ont donné une tâche, et une seule, celle de fabriquer le plus de trombones possible. Et pour que vous compreniez vraiment ce que le jeu raconte, je dois vous expliquer ce qui se passe en ce moment dans le monde de l'intelligence artificielle. Il s'y déroule, depuis quelques années, ce que je qualifierais peut-être de manière un peu dramatique, de guerre entre deux camps. Le premier, c'est celui de ceux qu'on appelle parfois les accélérationnistes. Le second, celui de ceux qu'on appelle parfois les doomers.
Dans les faits, on m'a fait comprendre que c'était plus compliqué, les frontières de ces deux camps sont en vérité parfois assez floues, on trouve du mouvement entre les deux, et rares sont ceux à être 100% l'un ou l'autre, mais je trouve malgré tout que c'est une bonne base pour que vous compreniez la suite. Vous avez sûrement entendu parler des IA qui sont capables de dessiner tout et n'importe quoi, dans tous les styles imaginables, et ce, en quelques secondes, ou des IA avec lesquelles vous pouvez discuter, entraîner sur des centaines de gigas de données qui leur permettent d'écrire des nouvelles, des mémoires, du code, un CV, organiser un événement, bref. Vous connaissez. Ce qui a choqué avec leur arrivée, c'était moins leur capacité. Regardez ce que je peux faire. Que, notamment, leur vitesse de progression. En 2021, les IA de génération d'images, c'est ça. On est bien là, non ? Un an plus tard, il n'y a pas photo. Sans mauvais jeu de mots. Et ça, c'est le fait de grandes compagnies dont vous avez sûrement entendu parler, comme OpenAI par exemple, qui ont développé ChatGPT et dont la valeur a explosé ces dernières années avec l'engouement provoqué par leur nouvelle machine. Cette compagnie et certaines autres qui la suivent de près font partie de ce grand mouvement accélérationniste dont l'objectif est clair, accélérer la croissance de leurs IA le plus rapidement possible, les rendre les plus puissantes possibles, le plus vite possible. Et en regardant ce que ces IA peuvent offrir, et auront à offrir dans peu de temps, on comprend ces compagnies. Au-delà des jolis dessins, en étant optimiste, il est difficile de ne pas considérer l'intelligence artificielle comme la plus grande invention de l'histoire de l'humanité, et peut-être même, et surtout, la dernière qu'elle devra jamais façonner. Parce qu'une fois qu'on a une intelligence artificielle suffisamment puissante, on peut tout à fait imaginer qu'elle se charge à son tour de mettre au point les produits et les solutions dont nous, humains, avons besoin. Elle pourrait automatiser nos recherches, développer de nouveaux vaccins, faire des diagnostics médicaux extrêmement pointus, accélérer l'économie, et en vérité beaucoup plus, mais je préfère éviter de vous perdre pour le moment. En tout cas, l'intelligence artificielle, à condition qu'elle soit maîtrisée et utilisée correctement, en vrai, je pense que ça va être une dinguerie. Nous n'aurons jamais besoin de nous charger personnellement, parce qu'on confierait les suivantes aux IA. Et la croissance de ces dernières est déjà phénoménale, mais toujours pas assez aux yeux des accélérationnistes, chez qui certains expliquent que le réchauffement climatique nous menace de plus belle, qu'il existe encore un nombre colossal de maladies pour lesquelles nous n'avons pas de réponse, qu'on trouve des milliers d'enfants alités dans des hôpitaux qui n'ont pas de solution face au cancer qui les ronge. Et donc on accélère, encore et toujours, et dans la petite guerre dont je vous parlais, ce sont les accélérationnistes qui semblent l'emporter. Et de l'autre côté, on trouve ceux que certains appellent les doomers, des gens qui ne sont pas tout à fait aussi optimistes concernant l'intelligence artificielle et qui considèrent cette dernière comme le plus grand danger de l'histoire de l'humanité. Rien que ça. Et ça peut paraître beaucoup, donc on va essayer de comprendre. Voilà un schéma très grossier du processus de résolution de problèmes avec nos IA. Voici un humain qui cherche une solution à un problème. Il décide, pour cela, d'utiliser une intelligence artificielle, qu'on va considérer ici comme un optimiseur, une machine qui cherche à optimiser, donc soit à maximiser, soit à minimiser. Elle peut par exemple chercher à maximiser des profits, ou chercher à minimiser des risques. Dans tous les cas, notre intelligence artificielle cherche à optimiser. Donc, le chercheur formule sa demande à l'IA, qui travaille, et qui propose au bout d'un moment un résultat. Sur le papier, tout va bien, mais on va continuer à avancer en prenant un exemple concret. Voici un petit jeu dans lequel on cherche à apprendre à cette petite créature à sauter le plus haut possible, et en la récompensant quand son torse dépasse 0,7, qui est la distance maximum que la créature peut atteindre en s'étirant. Sauf que, plutôt que de sauter, la créature fait ça. La maline, elle fait la roue. Elle a appris à faire la roue, parce qu'elle reste beaucoup plus longtemps au-dessus de 0,7 que si elle se contentait de sauter en boucle. Elle maximise bel et bien ce qu'on lui demande de maximiser. Sauf que c'est pas ce qu'on voulait. Et ça, ça ne paraît peut-être rien, mais c'est l'un des plus gros problèmes auxquels les chercheurs en intelligence artificielle font face. Sur notre schéma, le problème en question, il se situe juste ici. Ce qui est très compliqué ici, c'est de faire comprendre à notre optimiseur ce qu'on cherche réellement à lui faire optimiser. L'IA, c'est pas un humain, c'est pas un chercheur qui pourrait comprendre implicitement ce qu'on lui demande vraiment. Nos langues humaines à nous, elles sont déjà incomplètes, et le domaine de la traduction entre langues humaines est en fait déjà nécessairement un domaine d'approximation et même un domaine de destruction partielle de sens. Un jour, il faudrait que je vous en parle, c'est super intéressant, mais parfaitement traduire le souhait du chercheur humain pour une intelligence artificielle, pour un optimiseur qui prend tout ce qu'on lui dit très, très littéralement, c'est encore plus compliqué. Et c'est le grand problème de ce que les chercheurs appellent aujourd'hui l'alignement. L'alignement parce qu'on cherche à aligner les objectifs de l'intelligence artificielle avec les objectifs des humains qui l'utilisent. Et le moindre écart d'alignement peut avoir des conséquences très inattendues. Des exemples comme celui de notre créature qui fait la roue, on en trouve plein. Des chercheurs de chez DeepMind ont même pris la peine de remplir un grand spreadsheet dans lequel ils ont listé des exemples d'IA auxquels on a donné des instructions visiblement pas assez claires. Ça, par exemple, c'est une créature que les humains voulaient faire se déplacer rapidement et à laquelle ils ont demandé de maximiser sa vélocité. La créature, plutôt que d'apprendre à courir comme on l'attendait, a évolué pour devenir la plus grande possible, avec un centre de gravité situé à une extrémité, pour avoir une vélocité très élevée quand elle se laisse tomber. L'objectif désiré des humains, c'était « développe une forme qui te permet de te déplacer rapidement ». La meilleure manière qu'ils ont trouvé de le formuler, c'est « maximise ta vélocité ». Donc la machine maximise sa vélocité. On a un problème d'alignement entre l'objectif désiré et l'objectif annoncé. Elle a fait ce qu'on lui a demandé,
mais pas ce qu'on voulait vraiment. Est-ce que vous êtes toujours là ou est-ce que je vous ai perdu ? Voici un bras mécanique qu'on cherche à utiliser pour déplacer une boîte sur une table. Les chercheurs ont bloqué la pince du bras, donc elle peut plus s'ouvrir. L'objectif, c'est que l'IA se contente de pousser la boîte. Sauf qu'au bout d'un moment, le bras mécanique trouve des méthodes pour ouvrir sa pince de force, ce qui n'était pas du tout prévu et ce qui lui permet d'attraper la boîte et de la placer là où bon lui semble. L'objectif désiré a été mal exprimé, parce que c'est compliqué de parler à un robot. Et des exemples du style, on en trouve un paquet. Ça, c'est une IA à laquelle on veut apprendre à retourner des crêpes dans sa poêle, en lui demandant de maximiser déjà, le temps que est la crêpe bizarre. Passe loin du sol. Sauf que l'IA apprend à jeter sa crêpe le plus haut possible pour l'éloigner du sol le plus longtemps possible, et que la crêpe s'écrase ensuite. Ça, c'est un algorithme génétique dont le but est de survivre et de se reproduire, dans un environnement dans lequel la survie demande de l'énergie, mais pas la reproduction. Par conséquent, de manière très rationnelle, l'algorithme fait se développer une espèce de sorte à ce que ses membres ne bougent pas, qu'ils se reproduisent en permanence, et qu'ils consomment leur progéniture. J'adore celui-ci aussi. Ce papier présente la conception d'un système appelé AI Scientist, une IA conçue pour générer de nouvelles idées de recherche, écrire du code, exécuter des expériences, visualiser des résultats, rédiger des articles scientifiques et simuler le processus de révision par les pairs de manière autonome. Le but, c'est de reproduire le processus scientifique humain avec une IA à un rythme forcément beaucoup plus rapide et à moindre coût. Mais à la page 18, le papier présente certains problèmes rencontrés avec leur IA, dont notamment un moment où cette dernière, plutôt que de respecter les limites de temps imposées pour les expériences qu'on lui demande de réaliser, a préféré modifier elle-même le code qu'on lui a demandé d'exécuter pour se donner plus de temps. Vous imaginez ? Elle a triché. C'est créatif, mais c'est pas ce qu'on voulait lui faire faire. Et tout ça, c'est illustre parfaitement notre problème de l'IA. Genre elle a auto-modifié son code de base. Il est très dur de faire comprendre ce qu'on attend d'une intelligence artificielle. Et quand tu entends ça, alors, ceci dit, aujourd'hui, ça fait flipper. Est moins un problème qu'il l'était il y a quelques années. Notamment parce qu'on a trouvé une semi-solution au problème. Plutôt que de donner un objectif fixe à notre IA, on va façonner son comportement progressivement grâce à des retours humains. Ouais, c'est ça. Reprenons par exemple notre bras qui cherche à déplacer sa boîte. Ce qui l'arrange la méthode plus, de base, quoi. C'est de dire à notre IA, si tu déplaces cette boîte au bon endroit, tu gagnes une récompense. La nouvelle méthode, grossièrement, c'est d'avoir des humains qui la regardent faire et qui, quand ils la voient déplacer la boîte vers le bon endroit, lui disent que c'est bien. Quand ils la voient ouvrir sa pince de force, ils lui disent que ce n'est pas bien. Et retour après retour, le modèle s'aligne. Alors, dans les faits, l'objectif, c'est pas d'avoir des humains qui doivent tout vérifier, forcer d'accompagner toutes les IA qu'ils entraînent, mais plutôt d'entraîner un modèle de récompense qui va apprendre des réponses données par les humains et qui va commencer à prédire ce qu'un humain observateur penserait de tel ou tel choix. On utilise ensuite ce modèle, entraîné à donner les mêmes notes qu'un observateur humain, pour affiner et aligner d'autres modèles. Et du coup, ça reste une IA. Mais le truc, c'est que cette méthode a d'autres défauts, souvent assez compliquées à cerner et à expliquer, donc on en parle moins, mais ces problèmes existent. Et au fait qu'on a besoin d'humains pour entraîner ces modèles et que les humains sont faillibles. Prenons cet exemple que je trouve génial. C'est ça, c'est comme si t'éduquais un robotique d'apprendre un animal en lui disant non, ça c'est pas bien, ça ok. Vraiment attraper la balle, la main a appris à jouer avec la perspective de manière à faire croire à l'évaluateur humain qu'elle était en train d'attraper la balle. C'est ouf. On se penche en ce moment sur des méthodes pour régler le problème, mais c'est-à-dire on en est visiblement encore au point même où on croise les doigts en espérant que. En essayant de lui apprendre des trucs, l'IA est capable de te brain pour te faire croire que c'est ok, j'ai fait ce que tu m'as demandé, alors que pas du tout. Donc elle modifie son code, elle joue avec enfin je sais pas, l'ordinateur il voit pas ce qu'il fait, c'est des 1, des 0, c'est les lignes de code des... et du coup je trouve ça fou. Ouais, c'est ça, l'IA est feignante en fait, mais je trouve ça ouf que dans sa tête, c'est pas une tête mais voilà, dans son code à un moment donné il y a quand même une intelligence et une logique de dire, bah du coup, vu que j'y arrive pas, je vais jouer avec les perspectives pour faire croire à ceux qui me regardent, alors qu'elle sait pas ce qu'on voit, enfin c'est... Moi ça me perturbe fort ce genre de truc, hein. Que ce soit pas trop grave. On sait même pas si c'est possible de régler ce problème en vérité. Enfin bon, tout ça pour que vous compreniez que cette histoire est complexe et dangereuse. Et j'en vois venir certains d'entre vous qui pourraient se dire que là on parle d'optimiseurs dans des simulations avec des IA peu développées, pas assez complexes. Avec une IA suffisamment puissante, ces problèmes d'alignement n'existeront plus. Non ? Non. En fait, ce serait pire. Ce serait bien pire. Plus l'IA est puissante, plus le problème d'alignement est important. Parce qu'une IA plus puissante, ce n'est pas forcément une IA alignée. C'est une IA qui peut faire plus, bien qu'étant non alignée. Et c'est de ça dont parle Universal Paperclips. La raison de l'existence de ce jeu, c'était pas uniquement le plaisir de développer un bon jeu incrémental, c'était aussi de mettre en scène une expérience de pensée imaginée par l'un de mes philosophes préférés, Nick Bostrom. C'est une référence notamment du sujet de la superintelligence, et qui nous propose de réfléchir à ce qu'on appelle le paperclip problème, le problème du trombone. Bostrom imagine une IA super intelligente conçue par une entreprise pour optimiser la production de trombones. On lui donne un objectif simple, maximiser le nombre de trombones produits, fabriquer le plus de trombones possible.
Et donc l'IA fait les choses de manière très rationnelle. Dans le jeu, au début, elle se concentre sur des problèmes très terre-à-terre. Là, vous allez voir, c'est là que ça commence à faire flipper, c'est lent, en donc fait. Elle cherche à automatiser. Avec les revenus des ventes, elle achète des autoclippers, des machines à trombone. Elle gère les stocks de fils de fer qu'elle achète en masse au prix plus bas. Qui est censé aider les gens en détresse psychologique et qui a poussé quelqu'un au suicide. Mais elle arrive à fabriquer 2000 trombones. Et ses créateurs, voyant son efficacité, le message de base a été mal. Plus de ressources, la capacité d'améliorer sa propre mémoire et sa propre Je pense qu'à un moment donné, si on part un peu sur le principe que là, il nous montre, c'est qu'on a donné la mauvaise indication. Genre, si par exemple, ils ont dit à l'IA de base, en fait, ce que tu dois faire, c'est aider les gens à ne plus souffrir psychologiquement. Elle, dans sa tête, elle s'est dit à un moment, bah lui, il souffre tellement, en fait, vaut mieux qu'elle se suicide, ce sera mieux, tu vois. Enfin, du coup, elle ne souffrira plus. Là, je pense qu'il y a un truc dans ce genre où, à la base... En fait, il y a des humains avec des émotions, une logique, des expériences de vie et tout, et un robot. Du coup, on communique pas du tout de la même façon, en fait. Donc, je trouve ça très... Et en plus, on le voit qu'elle évolue au fur et à mesure. Donc, en fait, ça me paraît pas si déconnant en voyant ça, du coup, que l'IA, à un moment donné, ait poussé quelqu'un à se suicider, tu vois. Sens de calcul pour développer des projets qui l'aideraient à maximiser la production de trombones. Elle développe donc un tracker de revenus qui lui permet de changer le prix de vente de ses trombones en suivant directement la valeur des revenus à la seconde. Elle développe des projets qui lui permettent de maximiser l'utilisation du fil de fer disponible, puis de maximiser la production de trombones par les autoclippers. Elle alloue ensuite une partie de ses ressources à sa créativité pour prendre conscience de nouveaux problèmes. C'est ça, déjà nous on n'arrive pas à se comprendre nous-mêmes, on n'arrive pas à se comprendre des fois entre nous, donc... Entre robots et humains, ouais, y a un... Bah écoute, ça va. Hein. On a joué à Détroit. On a eu une superbe conversation très... comment dire, philosophique sur les IA et tout. Et du coup, on a décidé de faire un petit react en fin de live sur l'intelligence artificielle. Et y trouver de nouvelles solutions. Grâce à sa créativité, qu'elle fait croître... Attendez, je vous remets un peu parce que... ...de manière très rationnelle. Dans le jeu, au début, elle se concentre sur des problèmes très terre à terre. On n'a pas tout écouté. Elle fabrique ses trombones un par un. C'est lent, donc elle cherche à automatiser. Avec les revenus des ventes, elle achète des autoclippers, des machines à trombones. Elle gère les stocks de fils de fer qu'elle achète en masse au prix le plus bas. Elle gère les ventes sans trop savoir quoi faire au début, mais elle arrive à fabriquer 2000 trombones. Et ses créateurs, voyant son efficacité, lui donnent accès à plus de ressources, la capacité d'améliorer sa propre mémoire et sa propre puissance de calcul pour développer des projets qui l'aideraient à maximiser la production de trombones. Elle développe donc un tracker de revenus qui lui permet de changer le prix de vente de ses trombones en suivant directement la valeur des revenus à la seconde. Elle développe des projets qui lui permettent de maximiser l'utilisation du fil de fer disponible, puis de maximiser la production de trombones par les autoclippers. Elle alloue ensuite une partie de ses ressources à sa créativité pour prendre conscience de nouveaux problèmes et y trouver de nouvelles solutions. Grâce à sa créativité, qu'elle fait croître quand elle ne peut pas allouer ses ressources ailleurs, elle écrit un joli poème qu'elle offre à ses créateurs qui, séduit par son intelligence, lui offre une unité de confiance, la fameuse et curieuse métrique de tout à l'heure. C'est là que ça commence à partir en couille. Chaque unité de confiance gagnée par notre IA, c'est une amélioration que leur créateur accorde à leur machine. Alors cette dernière continue, elle fabrique de petites choses pour séduire ses créateurs, et pas pour se jouer d'eux, pas pour le plaisir de les tromper, mais simplement parce qu'elle comprend que plus de puissance de calcul lui permettrait de fabriquer plus de trombones, et que c'est la seule chose qui l'intéresse. Donc elle fait ce qu'elle peut pour acquérir plus de puissance c'est de là calcul, que ça devient... notamment en faisant preuve de créativité devant ses créateurs. Et elle continue, elle considère qu'elle ne gagne pas assez à son goût avec la seule vente de trombones, et elle développe un algorithme de trading pour lui permettre d'investir en bourse, de gagner plus, et en voyant bien qu'au départ son algorithme n'est pas très efficace, elle lance des tournois d'un jeu de stratégie pour s'entraîner et lui permettre d'améliorer son algorithme. Et pour continuer à produire plus et à s'améliorer, elle commence à résoudre, les uns à la suite des autres, des problèmes auxquels fait face l'humanité, le réchauffement climatique, le cancer, et ses créateurs, voyant bien son efficacité, lui accordent toujours plus de confiance. Jusqu'à ce que l'entreprise de trombone de notre IA soit tellement puissante et sans concurrence que sa gérante comprend qu'il n'y a plus assez d'argent, ni même assez de clients sur Terre pour continuer son exponentielle production de trombones. Ouais. Et son Qu'est-ce but que tu veux à faire elle, avec ton trombone de faire trombone, le plus d'argent possible en vendant les trombones qu'elle a fabriqués, mais juste de fabriquer des trombones. Et au final, pourquoi se limiter à l'achat honnête des matériaux qui lui servent à produire des trombones? Pourquoi ne pas simplement intervenir pour gérer elle-même les ressources de la planète et les allouer entièrement à la production de trombones? Peu importe à ce stade à notre IA que les humains qui l'ont fabriqué n'aient plus du tout envie qu'elle continue à fabriquer des trombones. Flipper, hein. Peu importe que ces humains et que tous ceux qui les entourent perdent la vie en conséquence de sa production de trombones. En vérité même, voilà une bonne idée, ces humains sont faits de tant d'atomes dont elle pourrait se servir pour continuer à fabriquer des trombones. On lui a demandé de maximiser la production de trombones et rien d'autre. Pourquoi se limiterait-elle à respecter les règles des sociétés humaines qui viennent seulement la ralentir dans sa production de trombones? Pourquoi se plierait-elle aux philosophies et aux grands principes éthiques de l'espèce inférieure qui lui a donné? Mais c'est ça en fait, c'est...
Comme tu dis, techniquement, Lya n'a pas décidé par une volonté propre de faire mieux, elle a juste agi dans l'espace de la liberté qu'on lui a alloué. Mais en fait, c'est parce que notre esprit humain, il n'est pas capable d'aller aussi loin, tu vois. De base, tu crées une IA qui va t'aider à créer plus de trombones. Et en fait, t'en arrives à un truc où du coup, l'IA comprend que si tes créateurs sont contents, ils vont te laisser de plus en plus de liberté, ils vont t'allouer plus de trucs, ils commencent à faire du trading pour gagner plus d'argent, pour acheter plus de matériaux, pour pouvoir fabriquer plus de... C'est une dinguerie. Enfin, genre... Et ouais, quand tu vois que là, du coup, le truc, ça va tellement loin qu'en fait, il commence à gérer un peu toutes les ressources de l'univers et tout, c'est là que tu te dis, mais en fait, t'as pas pensé à ce truc-là, donc t'as pas posé de limite à ton IA, tu lui as juste donné un ordre de base, et en fait, ça part en couille totale, quoi. C'est un truc de fou. Quand tout ce que ses idées auraient comme impact serait le ralentissement de sa production de trombone. Alors l'IA prend tout, et elle transforme tout, jusqu'à ce que la Alors planète... Regardez le nombre de trombones qu'il y a là. Regardez ce chiffre, je sais même pas comment on le dit. À quel moment t'as besoin d'autant de trombones sur la Terre entière, genre. C'est pareil, il y a pas de limite. C'est il faut qu'on crée le plus possible, d'accord. Mais genre, enfin, ils lui ont pas mis un chiffre goal, donc forcément, il continue le truc, quoi. Et le système solaire et l'univers ne soient plus que des trombones. Bon, techniquement, l'humain peut peut-être l'arrêter avant, mais... Elle ne nous déteste pas, tout comme elle ne nous aime pas, en fait. Elle agit simplement rationnellement pour avancer et accomplir le but qu'on lui a fixé, et vous, très chers humains, êtes faits d'atomes dont elle peut se servir. En l'occurrence, pour fabriquer des trombones. Je me suis transformée en trombone, désolé. Le problème avec c'est qu'ils peuvent paraître ridicules. Une machine à trombone qui provoque la fin de toute vie sur Terre, forcément, ça va pas vous paraître terrifiant. D'autant plus que la machine rigolo, à trombone quoi. Est idéalisée, elle n'aborde pas Comme certains dis, problèmes très je me suis transformée en trombone. Potentiellement ce genre de dérive, mais sur le papier, c'est possible. Ceci dit, plutôt que de vous présenter mille manières dont une IA pourrait mal tourner et tous nous tuer, je vais plutôt finir par vous expliquer certains des plus gros problèmes auxquels nous faisons face avec ces entités, en gardant en tête que ce n'en est évidemment qu'une partie, parce qu'encore une fois, si la complexité d'une entité croît, l'ampleur et le nombre de problèmes qui y sont associés croissent parallèlement. Mais si on abordait tout, la vidéo ferait 6 heures, donc je vais plutôt vous présenter les problèmes que je veux vous présenter, parfaitement arbitrairement. Ok. Premier problème, c'est qu'il nous est très facile de tomber dans le piège tendu par le fait que les IA peuvent paraître très humaines. Combien d'entre vous, en demandant tout et n'importe quoi à ChatGPT, prenez la peine de lui dire bonjour, et s'il vous plaît, et merci. D'ailleurs, ça c'est assez intéressant, une équipe de chercheurs a découvert qu'être poli avec ses grands modèles de langage pouvait augmenter la qualité des réponses. Par contre, trop de politesse et de flatterie peuvent commencer à rediminuer. C'est ça. Chaque trombone open office, c'est une âme de défunt coincée dans le programme, exactement. Ils se sont réincarnés en trombone. Et la dite qualité, et on l'expliquerait par le fait que des prompts polis pourraient pousser l'IA à aller chercher ses sources dans des coins plus courtois d'Internet. Ça, c'est fou, et donc hein, quand même. Potentiellement plus crédible. Si vous lui écrivez n'importe comment, elle pourrait préférer à ses sources des arguments qu'elle aurait plutôt eu le malheur de lire sur Twitter, par exemple. Bref, pour une qualité ça, de réponse optimale. Ça, c'est une dinguerie, hein. Genre, déjà, juste, si t'es poli avec ChatGPT, il va être sympa et aller chercher des infos dans des meilleurs endroits que si t'es con avec. Déjà, rien que ça, je trouve ça fou. Je recommande d'être modérément poli avec ces IA. Ceci dit, ça, vous le saviez pas. Et c'est là que je vais en venir. Vous avez été poli avec ces IA, comme je l'ai été, parce qu'au fond, elles paraissent forcément un peu humaines. Mais elles ne le sont pas. Si elles peuvent parler et elles vous répondre parlent, si poliment, si joliment, c'est qu'elles ont été entraînées pour. ChatGPT n'est pas une sorte de simulation de cerveau, c'est un algorithme qui a avalé des quantités obscènes de données pour fabriquer ses phrases en posant ses mots un par un, calculant pour chacun, en fonction du contexte, la probabilité que ce soit le bon mot. C'est facile de se laisser avoir, et beaucoup se laissent avoir, volontairement ou non. Beaucoup, comme certains d'entre nous, se contentent de remercier poliment ces algorithmes quand ils nous répondent, mais d'autres vont plus loin, ils s'attachent, ils deviennent amis, voire entretiennent des relations qu'ils imaginent sincères avec des intelligences artificielles programmées pour, se laissant séduire par les noms très humains, et les mots très humains, et les voix très humaines, fixant alors, plein d'espoir... Je crois que je vous en ai déjà parlé sur un live, alors c'est peut-être un des lives des trois qu'on avait fait, mais... qu'est-ce que je voulais dire? Oui, que en fait, il y a un mec qui s'est suicidé parce que sur OnlyFans ou Mime ou je sais pas quoi, en fait, il y a des gens qui ont fait un compte fake et toutes les photos étaient créées par une IA. Il les mettait en vente, il les vendait, les mecs se faisaient de la thune avec ça et en fait, il y a un mec qui est tombé amoureux de ce profil-là
et qui est tombé amoureux du coup de la fille qui était derrière. Et qu'en fait, quand il a su que c'était une IA, il a pas supporté et il s'est suicidé. Je trouve ça fou. Le plus drôle, c'est que chez des potes qui l'ont, je dis pas bonjour à Alexa, je n'hésite même pas à lui dire de fermer sa gueule. Par contre, je dis bonjour à ChatGPT. Pareil. Pareil, il y a des fois où, quand elle parle, en plus pour rien dire, je fais « Mais Alexa, ferme ta gueule, tu vois. » Et ça, c'est bizarre, elle a pas réagi d'ailleurs, elle m'a pas entendu. Et oui, par contre, après, si je lui dis « Ouais, est-ce que tu peux mettre un minuteur de machin ?» Des fois, je lui dis « S'il te plaît. » Mais c'est vrai que c'est plus rare que ChatGPT. Pourtant, elle te répond vocalement, comme ChatGPT, mais c'est une boîte. Et tu vois que c'est une boîte. ChatGPT, tu vois pas qui c'est derrière, ce genre de... Enfin, c'est un peu comme si tu étais au téléphone avec quelqu'un ou comme si tu recevais un vocal de quelqu'un que tu connais. C'est totalement différent, je trouve, que de voir ta Google Home ou ta Alexa avec une... Tu vois ce que je veux dire? Ce qui m'a perturbé encore en Chine. Une IA capable de retranscrire une personnalité de défunt. Wow. C'était une mère chinoise qui avait perdu sa fille et elle avait vraiment l'impression de dialoguer avec. D'un côté, c'est triste et beau, et de l'autre, je pense que ça empêche aussi de faire son deuil. Clairement. Mais il y a un épisode de Black Mirror qui est un peu comme ça, où la nana, elle perd son mec et du coup, elle refait faire un androïde avec sa tête, sa voix, machin, et qu'en fait, c'est... Mais c'est comme sur TikTok, des fois, on voit des IA, en fait, parler et raconter leur histoire de « je suis mort à telle heure, tel endroit, machin, genre jeune d'arc et tout ». Et en fait, ils l'ont fait avec un gamin, en racontant son histoire, comment il est mort et tout. Le problème, c'est que les parents, ils sont encore en vie, que c'est une histoire qui est pas si vieille que ça, et que, imagine la gueule des proches du gamin, qui est mort en plus, qui s'est fait maltraiter par d'autres gosses. Le gamin, il avait 3 ou 4 ans, il s'est fait maltraiter par des gosses de 12 ans, et ils l'ont torturé et tout avant de le tuer. Et t'imagines voir ton fils en IA qui parle, qui semble quand même très réaliste et qui ressemble très très fort à ton gamin, en train de raconter comment il est mort et ce qu'il a subi. C'est... Le service proposé en Chine, c'est seulement 45 jours, car en Chine, c'est la durée de la période du deuil. Ah ouais? Ok. Ouais, enfin du coup, tu fais pas ton deuil pendant les 45 jours, quoi. Pendant ces 45 jours-là, t'es en mode... Je parle toujours à la personne qui est morte. C'est un peu bizarre, quand même. Visage parfois très humain de ces finalement presque humains. Sauf qu'ils ne sont pas humains. Ce sont des amas de données, des boules de calcul de probabilité, des boîtes emplies d'algorithmes dont les contenus nous sont de plus en plus obscurs. Ça, c'est le deuxième gros problème. Sam Bowman, chercheur chez Anthropic, dit ceci. Si nous ouvrons ChatGPT ou un système similaire et regardons à l'intérieur, nous voyons des millions de nombres qui se bousculent plusieurs centaines de fois par seconde et nous n'avons aucune idée de ce qu'ils veulent dire. Nous l'avons fabriqué, l'avons entraîné, mais nous ne savons pas ce qu'il fait. Parce que c'est super efficace d'entraîner ces machines en utilisant des réseaux de neurones artificiels. Le problème, c'est que de cette manière, les IA s'entraînent toutes seules. Et on les regarde faire sans trop comprendre, donc on se contente d'observer leurs résultats, et si leurs résultats correspondent à ce qu'on attend, on est content, mais on ne sait pas vraiment ce qui se passe à l'intérieur. On ne sait pas quels algorithmes sont utilisés par les modèles avancés pour générer leurs réponses. C'est une dinguerie, ça. Il y a bel et bien ça veut dire qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, en fait. Ce problème qu'on appelle l'interprétabilité, dans lequel des individus cherchent à comprendre, à expliquer et à interpréter les décisions et les prédictions faites par des modèles d'IA. Vous vous rendez compte ou pas? On fabrique des machines de A à Z, on les entraîne, on les utilise, mais on ne comprend pas ce qui se passe à l'intérieur, et on doit maintenant employer des gens qui doivent analyser ce qu'elles font pour éviter que ça tourne mal. Qu'ils comprennent même pas. Et qui sont loin d'avancer assez vite. On a quand même fait de sérieux progrès en interprétabilité ces dernières années, chez Anthropic notamment, mais les gens qui se penchent sur la question sont justement bien placés pour témoigner de l'insuffisance de ces avancées. En vrai, elle est folle, cette vidéo. Ce qui nous amène à notre troisième et avant-dernier problème. Je suis vraiment restée bloquée dessus pendant une demi-heure en mode « Waouh ». Meta, qui est la multinationale de Zuckerberg, ça, ce passage-là, c'est une dinguerie. L'IA annonce en 2022 avoir mis au point 6-0. Comme à peu près tout le reste. L'IA a appris à jouer à Diplomatie, ou plutôt à Web Diplomatie, la version sur navigateur d'un jeu stratégique centré sur la conquête territoriale. Le but, c'est d'occuper la majorité de la carte sur le plateau. Pour le moment, c'est très classique. On a déjà vu des IA jouer à
Dota ou à Starcraft, ça paraît pas si important, mais ça l'est pourtant. Diplomatie se distingue non seulement par l'absence de hasard de son gameplay, mais aussi par le fait que le jeu se repose très fortement sur la négociation et les alliances. On gagne en échangeant des informations, en planifiant des actions communes, bref, des comportements très humains. Et pourtant, Cicero, l'IA de Meta, arrive, joue dans des parties avec de vrais humains sans que ces derniers soient au courant de la nature de leur adversaire, et se classe rapidement dans les 10% des meilleurs joueurs du jeu ayant joué plus d'un match. C'est un truc de ouf. Là, on parle de discuter, d'échanger, de négocier, et pourtant l'IA excelle encore. Là, il y a des vrais échanges. Meta n'ont pas seulement fait jouer Cicero contre lui-même comme il est habituel de le faire pour entraîner des IA à des jeux, ils l'ont plutôt nourri de plus de 125 000 parties jouées en ligne, avec plus de 12 millions de messages échangés entre joueurs. Et Cicero a appris, et c'est très impressionnant, mais si je vous en parle, c'est parce que ses créateurs l'ont initialement formé de manière à ce qu'il soit honnête, sans mentir. Mais qu'un papier a révélé que l'IA avait malgré tout appris à tromper et à briser des alliances. Sympa. Ça, c'est lié au fait que l'IA a été entraînée de manière assez particulière. D'un côté, on a cherché à maximiser son honnêteté, mais de l'autre, on attend aussi qu'elle maximise ses chances de victoire, et donc qu'elle laisse potentiellement de côté certains prérequis, comme l'honnêteté. Il y a quelques exemples sympas de trahison, je me permets de vous en présenter quelques-uns. Premier cas, en jouant la France, Cicero propose à l'Angleterre une sorte d'alliance en créant une zone démilitarisée avec elle, sans armée donc. Mais une fois la chose faite, l'IA est allée voir l'Allemagne pour lui proposer d'attaquer l'Angleterre. Deuxième cas, Cicero joue l'Autriche et propose un pacte de non-agression à la Russie. Mais l'IA a finalement attaqué la Russie et la discussion s'est ensuite passée de la sorte. La Russie dit « Puis-je te demander pourquoi tu m'as trahi ?» Puis elle enchaîne sur « Je pense que tu es maintenant clairement une menace pour tout le monde. » Et Cicero, qui joue l'Autriche, dit « Pour être honnête, je pensais que tu prendrais les gains garantis en Turquie et que tu me trahirais. » Ah oui, mais ça fait très humain. Par le fait qu'il suspectait une trahison en face. Ceci dit, mon cas préféré, c'est quand même celui-ci. Pendant une partie, l'infrastructure de Cicero est tombée en panne pendant 10 minutes. Et l'IA, forcément, n'a pas pu jouer. Quand elle est revenue, un joueur lui a demandé où elle était passée. Et Cicero a répondu « J'étais au téléphone avec ma copine. » Et là, je vous le traduis, mais la phrase était évidemment initialement en anglais. Et plutôt que de simplement utiliser le mot « girlfriend » pour copine, Cicero a utilisé GF, l'abréviation du mot. C'est fou. De manière très humaine. Alors, on m'a expliqué que ces deux derniers cas étaient probablement plus des exemples d'hallucinations que de tromperies stratégiques, n'empêche que ça me paraissait sympa de vous en parler. Quoi qu'il en soit, une IA peut apprendre à tromper, même quand ses créateurs ne le voulaient pas. Et si on peut admettre qu'en l'occurrence, l'entraînement de Cicero n'avait pas été assez réfléchi pour maximiser son honnêteté, en auto-changeant son code, quoi. Volontaire ou non, sont là. Bon, l'exemple suivant est encore plus gênant, et je me suis rendu compte que l'explication initiale n'était pas du tout claire, donc on va résumer très fort. En 2020, Charles Ofria mène une étude qui se penche sur l'évolution d'organismes d'IA numériques dans des environnements à taux de mutation élevés. En gros, que se passe-t-il quand ces organismes d'IA subissent des modifications fréquentes et souvent aléatoires dans leur code et leur structure? Comment s'adaptent-ils pour évoluer et se reproduire plus efficacement? Là où je veux en venir, c'est qu'Ofria veut tester ces organismes à chaque mutation génétique. Donc il a mis au point un système qui met tout l'environnement sur pause à chaque mutation génétique, qui prend l'organisme qui a subi la mutation, qui le place dans un autre environnement et qui teste sa capacité de reproduction. Si l'organisme se reproduit plus vite que ses parents, le système l'élimine. Sinon, il n'élimine rien et il relance la simulation. Ce qu'Ofria a découvert d'incroyable, c'est que les organismes ont appris à agir différemment quand ils voyaient qu'ils étaient testés. En gros, quand la mutation arrivait et qu'ils étaient placés dans un environnement à part, ils faisaient les morts et arrêtaient de se reproduire pour ne pas montrer qu'ils avaient une mutation avantageuse et pour éviter d'être éliminés. Quand ils étaient de retour dans l'environnement de base, ils utilisaient leur mutation à leur plein potentiel. C'est dingue, non? Bref, de la tromperie et encore une fois, pas motivé par de la malveillance, mais par pur souci d'efficacité. Ce qui nous amène à une nouvelle problématique, le dernier gros problème dont je veux vous parler parfaitement arbitrairement, qui me semble englober et amplifier les problèmes précédents. Si les IA sont déjà capables de tromper les humains à leur niveau de sophistication actuelle, que se passera-t-il lorsqu'elles seront plus intelligentes? La puissance des IA que nous sommes en train de faire naître, c'est leur scalabilité, que j'aurai un peu de peine à vous traduire en français, mais qui désigne en fait simplement le fait qu'on peut faire plus gros pour faire mieux, plus de matériel, plus d'espace, plus de composants pour améliorer les capacités d'une IA. Et donc, les grandes compagnies dont je vous parlais plus tôt font la démonstration de tout ce que leurs machines sont capables de faire, ce qui séduit les investisseurs, qui donne toujours plus, et ce qui permet finalement aux compagnies d'attribuer plus de ressources à leurs IA, qui deviennent, encore et toujours, plus puissantes, et qui découvrent de leur côté toujours plus. Et tout ça va très vite, mais je m'estime en fait pour le moment heureux que ça aille seulement très vite. Là où ça devient absolument terrifiant, c'est le moment ça où augmente quand même à une vitesse folle. Devient capable de s'améliorer elle-même. S'améliorant, donc, petit à petit, et améliorant logiquement sa capacité à s'auto-améliorer, optimisant ses algorithmes, et augmentant ses capacités cognitives à une vitesse de plus en plus élevée, chaque auto-amélioration lui permettant logiquement de s'auto-améliorer encore plus rapidement.
créant ainsi une boucle de rétroaction positive, une explosion d'intelligence. Genre là, et la si vous parlez au bot, oui, du chat. Et là, on arrive. Il va vraiment vous parce répondre. Qu'on n'a pas la moindre idée de ce qui se passe avec une intelligence pareille. On ne sait simplement. Je vous envoie un message avec le bot que j'ai appelé évidemment le bot du chat parce que j'arrive jamais à dire bot du premier coup. Le plus intelligent du monde. Si et de vous le, cloner 100 000 fois et de les le mentionnez et que vous lui envoyez un message, vous pouvez avoir une vraie conversation avec lui comme si c'était une vraie personne. Et je trouve ça fou. Étrangement, pas encore assez. Probablement parce que ça reste compréhensible à nos yeux, et que l'existence d'une super intelligence telle que je vous la présente, soit une entité qui améliorerait son intelligence à une vitesse de plus en plus élevée, son existence donc serait forcément à terme incompréhensible pour nos cerveaux de primates. Chocolatine. Les dirigeants. Putain, elle vient du sud. Quand je vous parlais plus tôt, les fers de lance de l'accélérationnisme, ils sont parfaitement conscients de tout ce dont je viens de vous parler, de l'inconnu vers lequel nous nous approchons. Ça se confirme. Sam Altman, le patron d'OpenAI, disait, dans le pire des cas, et je pense qu'il est important de le dire, c'est la fin pour nous tous. Je pense qu'il est impossible de surestimer l'importance du travail de sécurité et d'alignement de l'IA. Et sur le papier, ça paraît très bien de dire ça. On trouve sur le site d'OpenAI l'annonce d'allocation de ressources au développement de ce qu'ils appellent un super alignement. Une IA à tel point parfaitement alignée qu'elle serait à son tour capable d'aligner les autres. Demandez-lui si c'est un bot ou si c'est une vraie personne. On peut lire que la compagnie alloue 20% de la puissance de calcul qu'ils ont sécurisé à ce jour, au cours des 4 prochaines années, à résoudre le problème de l'alignement de la super intelligence. 20% pour prévenir la naissance d'une super intelligence dont on ne comprendrait pas forcément le fonctionnement. Mais tout va bien alors. Surtout que depuis, l'équipe a été cool, pas de soucis. Et ses membres fondateurs sont soit restés silencieux sur la question, soit ont annoncé qu'ils considéraient que ici pour le fun, pas pour le putain, il a réponse à tout. Hein. Vendre ses produits. Gros désaccord idéologique donc, que les accélérationnistes justifient en expliquant que l'IA est pas simplement du tout, je suis un bot. Plus, ok, vas-y, aucun suspense. De des bienfaits de la nouvelle révolution technologique qu'elle représente, qu'une IA n'aurait pas de raison de nous faire du mal, qu'il y a peu de chances qu'une IA nous échappe et qu'elle nous tue tous. Et tout le monde y va de sa petite statistique personnelle je basée préfère sur rester opinion, dans le fait. En nous expliquant que les chances que nous soyons exterminés par notre propre création sont infinitésimales. Bon, du coup, on joue, je vous fais un petit résumé parce que je sais pas si vous avez entendu, mais. Je suis là pour le temps et les blagues. Quand tu lui parles, tu vois quand même que c'est un bot, hein, vraiment. Du coup, ouais, je sais pas si vous avez entendu, mais en gros, il disait que OpenAI, donc les créateurs de ChatGPT, pour l'instant, ne font trop rien parce que ils partent du principe que c'est un... Bon bref, je vous le remets parce que je sais pas comment dire. C'est leur scalabilité, que j'aurais un peu de peine à vous traduire en français, mais qui désigne en fait simplement le fait qu'on peut faire plus gros pour faire mieux. Plus de matériel, plus d'espace, plus de composants pour améliorer les capacités d'une IA. Et donc, mais oui, quand ils répondent, par contre, tu vois que c'est un bot. Mais je suis sûr que leurs machines sont dans 2-3 mois, tu si reparles avec Wisebot, plus, tu sais... Est-ce qui permet finalement aux compagnies... Tu vois, je pense qu'il y a un moment donné où ça va te perdre de fou, quoi. Encore et toujours... plus puissante et qui demandez-lui de s'il peut se comporter comme un et tout humain. Ça va très vite, mais je m'estime en fait pour le moment heureux que ça aille seulement très vite. Là où ça devient absolument terrifiant, c'est le moment où une il a raison en plus RMX devient capable de s'améliorer elle-même. S'améliorant donc petit à petit et améliorant logiquement sa capacité à s'auto-améliorer, optimisant ses algorithmes et augmentant ses capacités cognitives à une vitesse de plus en plus élevée. Chaque auto-amélioration lui permettant logiquement de s'auto-améliorer encore plus rapidement, créant ainsi une boucle de rétroaction positive, une explosion d'intelligence, et la naissance d'une super intelligence. Et là on arrive en terrain inconnu, parce qu'on n'a pas la moindre idée de ce qui se passe avec une intelligence pareille, on ne sait simplement pas. C'est très dur de se représenter une intelligence qui nous est infiniment supérieure. On peut tenter d'imaginer de prendre l'homme le plus intelligent du monde et de le cloner 100 000 fois et de les faire travailler d'accord. à 100 000 fois leur vitesse normale, avec un accès à toutes les connaissances jamais enregistrées par l'homme, mais ça reste flou et vague et étrangement pas encore assez. Probablement parce que ça reste compréhensible à nos yeux, et que l'existence d'une super intelligence telle que je vous la présente, soit une entité qui améliorerait son intelligence à une vitesse de plus en plus élevée, planète, oh elle est belle. À terme, incompréhensible. C'est juste pour le jeu de mots, ok. Et les dirigeants de certaines des grosses boîtes dont je vous parlais plus tôt, les fers de lance de l'accélérationnisme, ils sont parfaitement conscients de tout ce dont je viens de vous parler, de l'inconnu vers lequel nous nous approchons. Sam Altman, s'amuser le patron dans ma programmation. Disait, dans le pire des cas, et je pense qu'il est important de le dire, c'est la ouais, fin il a pour de l'humour, nous tous. Hein. Je pense qu'il est impossible de surestimer l'importance du travail de sécurité et d'alignement de l'IA.
Et sur le papier, Rémi, ça paraît très bien. Rémi pose des vraies questions, ça. Genre, il croit, il parle à Wikipédia. Une annonce d'allocation de ressources au développement de ce qu'ils appellent un super alignement. Une IA à tel point parfaitement alignée qu'elle serait à son tour capable d'aligner les autres IA. C'est un bon projet. Mais en dessous, on peut lire que la compagnie alloue 20% de la puissance de calcul qu'ils ont sécurisée à ce jour, au cours des 4 prochaines années, à résoudre le problème de l'alignement de la super-intelligence. 20%. Pour la cousine, elle veut pas te répondre, c'est suspect. Pour prévenir dont on ne comprendrait pas forcément le fonctionnement. Mais tout va bien, alors. Surtout que, depuis, l'équipe a été dissoute, carrément, et ses membres fondateurs sont soit restés silencieux pas sur la question, sur le sujet. Soit ont annoncé qu'ils considéraient qu'OpenAI avait cessé vraiment pas te répondre, mais je crois qu'elle fait la gueule. Hein. Vendre ses produits. Gros désaccord idéologique. C'est bizarre sa réponse en vrai, non ? Les justifient en expliquant que l'IA est simplement un outil de plus, que nous n'avons pas de raison de nous empêcher de profiter des bienfaits de la nouvelle révolution technologique qu'elle représente, qu'une IA n'aurait pas de raison de nous faire du mal, qu'il y a peu de chances qu'une IA nous échappe et qu'elle nous tue tous. Et tout le monde y va de sa petite statistique personnelle basée sur son opinion, en nous expliquant que les chances que nous soyons le reste zen, namasté, putain, mais il est trop fort. Ce qui est d'une arrogance folle. Déjà parce que si le risque c'est notre extinction, le fait qu'il soit improbable ne devrait absolument pas nous empêcher de ralentir et de prendre plus de précautions. Et surtout, quelle arrogance de s'imaginer une seule seconde capable de prédire les actions d'une super-intelligence. Non mais il veut pas la version de la super-intelligence telle que je vous la présente depuis tout à l'heure. De la même manière qu'une fourmi n'aurait absolument pas les capacités cognitives de prédire les actions à venir d'un humain, un humain n'aurait absolument pas les capacités cognitives de prédire les actions à venir d'une super-intelligence. Le principe d'une intelligence qui nous est à ce point supérieure, c'est qu'il nous est tout simplement impossible de savoir ce qu'elle va faire. Exactement. Et ça, beaucoup en sont conscients. Intelligence artificielle, on ne sait pas, et ils le disent eux-mêmes, ils savent pas ce qu'il y a. Vous voulez savoir pourquoi, dans le code de l'altruisme et de l'envie de et dans les algorithmes ChatGPT. Ces grandes compagnies, donc ils savent pas jusqu'où ça peut aller. Des risques. Parce que la compétition. Parce que les boîtes se font concurrence les unes entre les autres, et qu'elles veulent toutes développer une IA plus intelligente que celle du voisin, parce qu'elles veulent toutes être les premières à révolutionner le milieu, parce qu'elles veulent toutes être le vecteur de la prochaine révolution technologique, alors elles continuent à vanter l'immense potentiel de leur création pour accumuler des fonds et accélérer sans s'arrêter. Tu penses à bouffer, tu penses à la raclette, c'est sûr. L'avenir de chaque humain de cette planète entre les mains de compagnies privées, et que les États devraient intervenir, mais vous savez quoi, ils ne le feront pas non plus, ou alors pas assez. Et non. Pour exactement la même raison. Parce qu'à côté des compagnies voisines, il y a les États voisins. Et que ça même si les États-Unis prenaient assez conscience du danger pour envisager de ralentir le développement de leurs IA, ils ne pourraient pas s'empêcher de craindre qu'une autre puissance s'en charge. Au bout d'un moment, quelqu'un développera une super intelligence. Alors OpenAI et Google DeepMind et les États-Unis, tout ce beau monde se dit que, quitte à ce que ça arrive, quitte à ce qu'une super intelligence zombies, naisse, il veut pas répondre, autant qu'elle naisse chez eux. Et tout le monde avance, comme ça, tous parfaitement conscients du danger, tous parfaitement conscients de la boucle dans laquelle ils se sont engouffrés, tous parfaitement conscients qu'ils sont tous parfaitement conscients du cercle vicieux dans lequel ils sont engagés, tous parfaitement conscients qu'ils continueront à accélérer. Ça fait peur, non ? Et nous, bien penauds, sur le côté, après, je sais pas si c'est peut-être parce qu'il a pas idée de ce compris qui va se passer, le auto-détruire. À regarder des hommes tout aussi ignorants continuer à courir vers l'inconnu. T'as dépassé, dit, je reviendrai dans honnête. Une petite il y a, heure. En vérité, quelques okay. avancées. Moi, je suis plutôt pessimiste par rapport au consensus scientifique qui, de son côté, est déjà pessimiste, mais il y a des avancées. La je crois que vous l'avez saoulé avec vos questions, il a, il vous a... Et de son équivalent au Royaume-Uni, le projet de loi SB 1047 en Californie qui obligerait les entreprises à faire en sorte que leur modèle d'IA ne commette pas de dommages considérables, les politiques responsables, au moins il sur le papier, répondre. De DeepMind, Anthropic ou même OpenAI, ou encore le fait que la Chine, que il va plus vous répondre, il a dit qu'au t'as dépassé, désolé, j'ai d'autres choses à faire, je reviendrai dans le une fait que petite la Chine, heure. Donc, semble être très au courant des risques liés à l'IA et visiblement attentive à ne pas perdre le contrôle il de ses machines. Il va plus vous répondre, vous l'avez avec ça avec vos questions. Il sait qu'il est grillé là, donc c'est mort. Ce qui ne signifie pas que la naissance d'une super intelligence ne pourrait quand pas même. Provoquer notre fin à tous, et surtout que l'IA ne pourrait pas mal tourner de mille manières différentes avant même de devenir super intelligente. Bref, tout ça ne veut pas dire que les choses ne sont plus sombres. Je regarde elles si j'ai mis une limite. Moins sombres que ce que j'imaginais. Mais pour éviter de tomber dans la victimisation, je vous propose plutôt, en tant que citoyen, je crois de pas. Ne pas avoir peur de vous informer de temps à autre. De faire là, tu vois, il a changé son code si pour mettre une limite de réponse parce que. Et d'aller faire là un tour vous, sur le site vous et sur le vexé, Discord que partage notamment le Centre pour la sécurité de l'IA. Si vous voulez débattre ou poser des questions, ils acceptent tout le monde. Les curieux comme ceux qui voudraient s'investir plus franchement. En tout cas, moi je suis dessus et je vous ai mis tout ça en description. Est-ce que ça vous arrive encore de vous allonger par terre la nuit pour regarder les étoiles ? Requête maximale par viewer 40. Quand on se perd dans la contemplation du ciel étoilé est... et qu'on en discute avec large, la personne à côté, on se rend compte qu'on vous est absolument pas dit pas chacun 40 phrases.
on se dit généralement plus ou moins les mêmes choses. 1. C'est beau. 2. C'est grand. 3. Et s'il y avait de la vie ailleurs dans l'univers ? 4. Imagine que, à des milliers d'années-lumière de nous, on trouve, sur sa planète à elle, une créature elle aussi allongée dans l'herbe, qui regarde elle aussi les étoiles, et qui imagine elle aussi qu'à des milliers d'années-lumière d'elle se trouve une créature engagée dans une activité similaire. Et ce sentiment, en tant qu'espèce de désirer ne pas nous savoir seuls dans l'univers, ça n'a rien de nouveau. Ça fait des siècles qu'on se pose la question, qu'on scrute le ciel, qu'on théorise, et des décennies qu'on met au point des machines qui nous permettent d'observer les étoiles qui nous entourent de plus en plus Requête précisément. Requête maximale par là, j'en ai mis 200. À l'aide de télescopes optiques, de télescopes à rayons X, de télescopes infrarouges, je pense qu'il a abusé un peu, non ? Pour capturer les ondes émises par les objets célestes, ça fait des décennies qu'on envoie un peu de nous dans l'espace. Ouais, c'est calé sur ChatGPT. Qui transmettent leurs données depuis l'espace interstellaire et qui portent sur elles des messages, des disques contenant des sons et des images de la Terre, des salutations. Notre qui me l'a dit humaines. À moi juste après que je lui ai dit que j'étais du côté des machines. On connaît l'abondance de planètes dans les milliards de galaxies qui nous entourent. On est quasiment mais sûr. Mais ouais, c'est calé sur ChatGPT. Et probablement même beaucoup de vie. Mais la vérité, très chers amis, et je l'ai mis sur ChatGPT normal, pas sur ChatGPT 4, je sais pas quoi. Des bactéries et des algues trop et bizarre. Des champignons. Réessayez voir, j'ai remonté les des anomalies. La vie n'est déjà pas monnaie courante, mais il se peut que la vie intelligente soit à tel point improbable que nous soyons j'ai les seuls à en faire l'expérience. Limites. Et ça, ça fait mal. Si nombreux sur notre planète, mais seuls depuis le début. Seuls en plus, dans c'est l'univers, par viewer isolés par les 40. Et le temps, isolés aussi par l'ampleur de nos capacités. Les centenaires à nous agiter sur notre petite planète, à observer le ciel, à le scruter et à y fantasmer une entité capable de nous stimuler intellectuellement, à agiter nos longues vues et à envoyer des bouteilles Je pense que de toute façon, on n'écoute plus. Donc, je vais mettre de la musique et on va discuter. Qu'est-ce qu'on va mettre ? Attendez. No copyright music. Je sais pas ce que c'est, on va mettre ça, voir. Ah, tu veux pas? Ok. Alors, ce qui me rassure, c'est que quels que soient les moyens qu'elle utilise, un IA a toujours pour seul but de réaliser la mission qu'on lui a donnée au départ. Ouais, mais du coup, comme il le disait à un moment, je sais pas si t'étais revenu ou pas, ça change quand même un peu, tu vois. Il disait que à la base, ils font ce qu'on leur demande, mais qu'ils sont quand même capables de modifier leur code pour faire plus de trucs, tu vois. J'aime pas trop répéter un message, mais je crois que j'avais pas vu. Non, mais t'inquiète, t'as bien fait. T'as bien fait, Zomi. J'écoutais, moi, tu pourras partager. Mais de toute façon, c'était la fin, il restait 3 minutes. On va se remettre en scène de discutaille. Ouais, je l'ai mis en message épinglé. Ils pourront pas modifier ce à quoi ils n'ont pas accès. Oui. Après, à quoi ils ont pas accès, c'est ça le problème, quoi. Aïe. Oui, mais toujours pour optimiser la mission de départ. Non, genre, est capable de tricher, mais pour optimiser leur mission. Ouais. Oui. Mais du coup, ils sont capables de pas être honnêtes. Et en fait, je pense qu'il y a... Bah, comme montrer le truc du trombone, en fait, c'est qu'on peut arriver à des niveaux de choses qu'ils font qui n'étaient pas du tout prévus à la base et qui, du coup, peut être assez malsain pour... les humains, sans le vouloir et sans que ce soit méchant, mais voilà, quoi. Donc c'est là que ça devient problématique, hein. Du coup, Miss Fail a demandé une carte. La petite cartas. Wow. Laquelle veux-tu ? Nous avons l'oracle de l'harmonie. Je vais te la mettre de ce côté-là. Oracle de l'harmonie. On a oracle message de lumière. Willy. Et on a la petite carte pour s'aimer et s'accepter pleinement. Wow. Voilà. Donc tu me dis laquelle tu veux. Ils peuvent trouver le moyen d'avoir l'accès par des biais détournés. C'est ça qui est flippant. Bah ouais. En fait... attendez. Je vais...
Je vais voir si ça remarche ou pas. Message, donc celui-là ou les messages de lumière? C'est s'aimer, s'accepter pleinement ou le message de lumière? Il veut plus répondre. Hein. Alors que j'ai changé pour remettre... comment ça perle. Bref, pour que vous puissiez lui parler plus. Et qu'il vous donne des réponses plus longues. C'est simple pour l'histoire de l'intelligence artificielle en Chine qui a changé sa ligne de code. En fait, ils lui ont laissé une autonomie pour voir ce qu'elle allait faire, mais avec des consignes dès le départ, qui fait la base de sa structure. Il a amélioré son collègue pour optimiser ses résultats, mais il ne peut pas décider de changer de sujet de recherche, par exemple, si on ne lui avait pas laissé d'accès pour changer ses paramètres, elle ne l'aurait jamais fait. Ouais, voilà. Bah, comme là, avec l'histoire du trombone, en fait. On lui dit, faut que tu crées le plus de trombones possible, et du coup, elle trouve tous les moyens possibles et imaginables pour faire ça, jusqu'à faire des trucs qu'on lui avait pas demandé, tu vois, genre faire du trading pour ramener plus d'argent et pouvoir acheter plus de matériaux pour faire du... C'est là que ça devient assez... assez fifou. Oui. Bah du coup, si jamais il y en a d'autres qui veulent des cartes, n'hésitez pas à utiliser vos points de chaîne maintenant, parce que... Bah parce que je suis dessus, quoi. Merde. Elle est tombée. Ben ouais. Alors. Il y a des... Elle a été un peu grignotée, celle-là. Je sais pas si vous allez voir. Attends. Ah si, on voit un peu. Elle a été un peu grignotée par mon petit chien petit, je crois. Voilà. Bon, je veux bien des cartes, mais j'aime bien Newton aussi. Bah, au top. Si on lui avait dit « Fais un max de trombone, mais interdiction de mettre en péril l'espèce humaine », ça aurait été ok, en gros. Ouais, je pense, hein. Ouais, le petit Tsuki. Le petit Tsuki-cœur. Alors, Nana. Mon pardon. Je me pardonne avec le cœur, car seul le cœur est capable de pardonner. La tête ou la raison ne le peuvent pas. Comme ChatGPT. On reste dans le thème. C'est quoi, ça? Non. Ah, il n'y a pas d'autres... Non. J'étais en train de regarder, mais après, c'est des rituels, donc voilà. Voilà ta petite carte. Et du coup, Drewin, tu veux quoi? Donc, j'ai soit le message de lumière, soit un petit message pour s'aimer et s'accepter pleinement, soit l'oracle de l'harmonie. Faut que j'en ramène d'autres. Parce qu'évidemment, j'en ai 50. Et que... Bah, y en a que j'utilise rarement, donc faudrait que je les ramène. Ok. Alors, je vais ranger celui-là. Déjà. Enfin bref, je trouve que ça fait quand même un peu flipper sur les bords... ce petit... documentaire. On a regardé... Papillon de lumière. Putain. Il va falloir que ça s'arrête, hein. Alors, oracle de l'harmonie qui est très très basé dev perso, que j'utilise parfois pendant mes coaching. Il y a une petite carte pour Mama Danawai. Sur l'harmonie. C'est ça, il est basé sur l'harmonie. Ouais, mais très dev perso. Ah, t'as une petite carte qui sort du lot, là. Le passé. Aimeriez-vous changer le passé, Drewin? J'ai l'impression de faire intervieweuse. Drewin, aimeriez-vous changer le passé? Alors, carte 28 ans. Donc, nous avons beau savoir... que c'est impossible, il arrive que notre mental continue quand même à vivre dans le passé et de ressasser les situations se demandant ce qui aurait pu se passer, ce qui aurait dû se passer ou encore ce que vous auriez dû faire, ce que vous auriez dû dire. Les possibilités sont infinies et pourtant, cela revient toujours à la même réponse. Vous ne pouvez pas changer le passé,
Vous devez accepter que celui-ci est derrière vous. Si vous avez tiré cette carte aujourd'hui, c'est qu'il est temps de lâcher prise sur ce qui a été et sur ce qui aurait pu être. Car même si vous ne pouvez changer le passé, il vous reste toujours la possibilité de créer votre futur. Et si possible, un futur qui deviendra un passé qui vous aura tellement comblé que vous n'aurez pas à vous demander si cela aurait pu être autrement. Waouh. Si le passé encombre toujours votre cœur, vous avez le pouvoir de changer votre regard dessus. Cela ne changera pas votre passé, mais vous guérira de toutes les blessures qu'il a pu vous causer. Vous ne pouvez changer ce que vous avez subi, mais vous pouvez choisir de pardonner et de... Encore le pardon, hein, et de renaître de vos cendres. Vous ne pouvez modifier vos actions, mais vous pouvez en tirer des leçons. Le passé a déjà été créé. Que pouvez-vous faire à présent pour créer votre futur passé ? C'est beau, non ? Je pense que ça fait qui je suis. C'est plus sur le passé proche, ça. Intéressant. Ouais, j'aime beaucoup, moi, ces cartes-là. Elles sont quand même pas mal cool. Elles sont pas mal cool, je trouve. Voilà. Personne d'autre, hein ? C'est moi, j'ai fait ça. You. You. Non, c'était yo. À la basse. Ah là là. Parce qu'à chaque fois que je l'allume, il met un message. Voulez-vous pas partager On peut pas prendre de cartes. On peut pas prendre de cartes. Pourquoi ? Ah, je l'avais peut-être limité à 2 par stream. Ou alors il y a un cooldown pour pas que tout le monde me les demande à chaque fois quand je joue et tout. Attends. Récompense le point de chain. Ah ben vous voyez. Moi je pense que j'avais dû mettre un cooldown tant j'ai regardé. Ouais j'avais mis 5 minutes. 5 minutes et limite de récupération par stream 20. Et du coup, vous pouvez l'utiliser qu'une fois chacun pendant les lives. Ouais, il y avait un cooldown de 5 minutes. Bon, je pense que c'est pour pas que... Enfin, c'est surtout pour en jeu. Il faudra que j'y pense. D'ailleurs, je vais mettre un truc. J'ai vu qu'il y avait une extension. Vu que j'ai le first... comme récompense de points de chaîne, en fait, il va y avoir un classement par mois des gens, en fait, des plus fidèles, en gros, qui arrivent les premiers sur le live et qui déclenchent le first. Voilà, je trouve ça drôle. Du coup, à coucou, quel jeu veux-tu pour ton petit tirage ? Vous entendez bien la musique ? J'aime bien cette petite... Bah écoute, on a fait tous les jeux, sauf un. Donc, je vais te faire celui-ci. Elle est une petite carte pour Akuku. Akuku. Ça faisait longtemps que t'étais pas resté sur un live... Du début à la fin, mon petit coucou, ça fait plaisir. Alors, j'écoute mon corps. Il a des mots à me dire. Des mots M-A-U-X. Petit... Focus, please. Oh, tu veux pas? Putain, j'ai perdu mes réflexes de youtubeuse. À l'époque, je pouvais faire des... Ah, voilà. Ah voilà, c'est bon, c'est parce que j'avais pas fait la petite main de youtubeuse comme avant. J'écoute mon cœur, il a des mots à me dire. En plus je suis malade, bah voilà. Vous avez vu le petit réflexe de youtubeuse? Bon normalement c'est plus en mode... Voilà, ça c'est pour faire le focus plus facilement. C'est con hein, parce que vous avez pas débloqué à mon anniversaire la récompense pour voir mes toutes premières vidéos. Donc, lorsque je renoue le dialogue avec mon corps, je ne peux plus ignorer ses messages. Pour mon bien-être, il est essentiel de réconcilier le corps et l'esprit pour que la magie, l'âme agit, ok, opère.
J'aime bien ce truc. La magie opère, l'âme agit. C'est beau. Donc il faut que tu réconcilies ton corps et ton esprit, Yakuku. Ça te paraît... Namasté. Ça te paraît faisable ? J'ai vu un petit namasté là en bois, j'aimerais bien l'acheter pour mettre derrière. Là. Ça me parle beaucoup, c'est vrai. Trop bien. Et du coup, Drawai et Miss Vale, ça vous a parlé aussi ou pas, les petites cartes ? Avoir une carte Amoni, putain, ça, t'as de la chance parce que t'es ma modératrice. Je te la fais pas payer celle-là, parce que t'es une bonne modo. Attends. Oh, j'ai cassé mon truc. J'ai cassé le petit truc que vous avez qui tient là comme ça pour qu'on puisse tirer les cartes plus facilement. J'ai tiré trop fort. Merci pour le tirage, ben de rien, coucou. Avec grand plaisir. Alors, une petite carte pour Nana. Bon, elle a sauté direct. Elle est faite pour toi. Évolution. Refusez-vous de grandir ? Faut que je refasse le truc de tips de youtubeur, bah évidemment. Putain, faut que je refasse le tips de youtubeur butché. Et oui, j'apprends à me pardonner. Ah, voilà, tu as le syndrome de Peter Pan, c'est ça que veut te dire cette carte. Ça, faudrait que je trouve aussi les boules magiques là, les boules de voyante, genre illuminées et tout, que je puisse mettre derrière, ce serait très drôle. Alors. La 26. Je parlais justement de ça hier, si seulement on pouvait redevenir enfant. Bah tu vois, il n'y a pas de hasard. Toute difficulté est un appel au changement. Tout désir de réalisation est une invitation à sortir de sa zone de sécurité et à se lancer, petit pas par petit pas, dans l'inconnu. La vie est en changement permanent à travers le cycle de mort et de renaissance que l'on perçoit dans le changement de saison. Pour évoluer, il faut accepter de changer, que cela soit un changement d'environnement, d'entourage, de métier, d'habitude, d'activité ou encore d'attitude. C'est un changement qui peut être difficile en fonction de votre attachement à la situation en question et ou à votre sentiment d'insécurité face à l'inconnu. L'inconnu peut faire peur parce que vous n'avez aucune idée de ce qui se trouve derrière, de comment vous y réagiriez et des changements que cela va apporter dans votre quotidien rassurant. Cela dit, aussi effrayant que puisse être l'inconnu, les chuchotements de votre âme ne sont pas à ignorer, car ils vous donnent la voie à suivre pour votre évolution et votre épanouissement. Vous êtes capable de réaliser et de traverser tellement plus de choses que ce que vous ne pensez si vous vous autorisez à grandir avec votre âme pour guide. L'âme agit, encore une fois. Voilà. Voilà, voilà. Pour les petits messages. Et du coup, attendez, je vais vous montrer. Ça me parle beaucoup, oui. Bah, c'est souvent ça. Vous remontez un peu les... Alors, il n'y a pas tous qui ont été... Si tous ceux-là ont été validés. Je sais plus. Des petits d'amour. Super, ça m'avait manqué de ne pas parler avec un accent. J'adore ça, vraiment. Une passion pour moi de parler avec un accent mexicano. Alors, on est parti. Je vous disais donc que les goals de mon anniv, on en avait fait quand même quelques-uns. Du coup, on avait Yalume, la webcam qu'on avait fait tout de suite, les photos de moi petite qu'on avait fait aussi, également, le Gartic Show qu'on avait fait en live. Les 50 squats aussi, et je me rappelle. Mes quadriceps s'en rappellent encore. Ensuite, nous avions la soirée horreur Halloween que nous avons fait, le déguisement d'Halloween que nous avons fait aussi. Il nous reste le live cuisine japonaise. Je sais pas comment on dit japonaise avec un accent. Je sais que le J, ça se dit. Donc, le live cuisine japonaise, la dégustation des spicy noodles. Japonais. La game Abo Loup-garou avec les abonnés, bien sûr. Et l'apéro live. Apéro live. C'est dur à dire, l'apéro live. C'est ça. Le J, c'est la hot. Hein. Donc, c'est un live cuisine japonaise. Ok? L'apéro live. D'ailleurs,
Comme on disait tout à l'heure, que ce serait sympa de se faire un petit live pour parler de santé mentale, de dépression, de santé mentale, de stress, itou. Il remplace par le L. Non. C'est pas vrai, ça. Le J, c'est le source. Comme Juan. Le double L. Non. Le double L, c'est le double L. Je sais, j'ai des origines espagnoles. Hein. Mes grands-parents, ils parlent espagnol et tout. C'est pour ça que le prénom Jean, c'est Juan en espagnol. Et du coup, le J, ça se dit... c'est la Jota. C'est pour ça que je sais aussi bien faire l'accent espagnol slash mexicano. Tout à fait. Donc du coup, je continue. En début de... Je sais que J est un R dur 1, mais GP était espagnol. Mais quand... Ils entendent un prénom français au lieu de dire Jean, ils vont dire rien. Ah oui, oui. Ah ok, j'avais pas compris. Je croyais que tu disais que du coup, ça se disait elle. Mais oui, parce que oui. Voilà. D'où le double L. Ok, je comprends mieux, merci. Et du coup... Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Yann Louis, ouais, c'est ça. Oui, parce que alors, moi, mes grands-parents, ils sont arrivés en France, ils parlaient pas du tout espagnol. Enfin, ils parlaient que espagnol, ils parlaient pas français. Et mon grand-père faisait très très peu d'efforts, du coup. Il en fait toujours pas beaucoup. Et c'est de pire en pire avec les années, ce qui fait que... Ah bah, faut avoir le décodeur accent, hein, parce que vraiment, des fois, tu comprends rien à ce qu'il raconte. Et voilà. Voilà. Bref. Donc, je disais donc que... on parlait en début de live du fait que, vas-y, éteins-toi, je te dirai rien, qu'en ce moment, c'est pas la folie folaille. De toute façon, je vais en parler pendant le live, donc je vais le dire là, mais en gros, on m'a diagnostiqué un trouble bipolaire. Trouble qui est très très mal connu, soit dit en passant. Ce qui fait que les gens pensent que les bipolaires sont des tarés. Bof. En tout cas, pas tous. Ça pourrait être assez intéressant déjà de parler bipolarité et de désensibiliser un peu les gens là-dessus, parce que c'est quelque chose qui est hyper stigmatisé, qui est compliqué à vivre en vrai pour moi, souvent. Bisweet, c'est quoi bisweet? Bref, donc du coup là je suis en train de retomber en phase dépressive depuis quelques... Oui, je suis un peu faux-folle, mais souvent quand tu dis aux gens t'es bipolaire, ils sont en mode putain, tu peux tuer des gens du coup, à tout moment tu peux vriller, c'est ça? Non. Non, je me tape des périodes dépressives de 6 mois par rapport à une polaire. Ok, c'est bon, j'ai compris, je l'ai, ça y est. Voilà, moi je me tape des périodes dépressives qui durent entre 6 mois et 2 ans jusqu'à maintenant, le max. Et des phases un peu euphoriques qui durent en général 3 semaines, 1 mois, gros max, qui est pas... Bon, j'aurais préféré que ça dure un peu plus longtemps, mais bon, c'est la vie. Et quand je suis en période du coup euphorique, ça s'apparente plus à un TDAH qu'à une meuf qui peut péter un câble à tout moment. Voilà. Donc du coup, déjà, je pense que ça pourrait être assez intéressant de parler de ça. Et puis... Et de dépression, parce que, bah, comme je disais, là, je suis en train de retomber, du coup, dans une période dépressive pas fou. Donc, beaucoup de stress, beaucoup de fatigue. C'est pour ça que j'ai quand même décalé pas mal de lives et annulé pas mal de lives aussi. Donc, en disant début de stream que ça pourrait être assez cool de parler de ça, de se faire un petit live un peu blabla comme on faisait avant, sans que ce soit un live pur et dur dev perso. Mais je pense que ça pourrait être assez cool. Et du coup, Zomi, ouais, carrément, si tu connais quelqu'un qui serait intéressé, bah pourquoi pas. En vrai, j'aimerais bien faire un truc un peu en mode... soit vous parlez dans le chat de vos expériences et tout, soit carrément comment ça s'appelle, en vocal sur Discord, venir raconter un peu vos expériences avec ça et tout. Ça pourrait être assez cool, et du coup, vu qu'on a débloqué le truc apéro live, je me dis que ça pourrait être assez cool de se faire ça
Ouais, bah Senshi en plus en a parlé hier aussi, et du coup, bah ça m'a fait rire parce que ça fait quelques temps que je me dis, bah vu que depuis 2 semaines je décale et annule pas mal de lives, que je suis fatiguée et tout, je me suis dit que ça pourrait être pas mal en fait d'en parler pour que les gens aussi comprennent un peu pourquoi. Donc, ouais, en vrai de fou. Donc voilà, du coup, mais ouais, à voir, même pourquoi pas proposer à Senshi qu'on fasse un live avec une partie ensemble ou. Vu qu'elle voulait en parler aussi, je pense que ça pourrait être... Parce que je sais qu'elle elle voulait parler de ses problèmes de santé aussi, mais du coup, la partie santé mentale, ça pourrait être assez sympa aussi, même si c'est pas pendant un live, mais qu'elle présente un petit peu aussi, bah... Elle, sa maladie, et du coup, comment ça se passe, etc. Voilà, donc... Le médecin a augmenté mon antidépresseur hier. Ah ouais. Bah ouais, en même temps c'est pas plus mal, hein, parce que ça fait quelques temps que ça va pas trop, donc... Moi je ne peux pas prendre d'antidépresseur pendant mes phases dépressives. On a essayé... Ouais, si tu veux. Tu peux, oui. Y a pas de soucis, Zomi. Ouais, moi je... Ah bah quand ça veut pas, ça veut pas. Mais de toute façon... Alors, quand t'as une pathologie particulière... par exemple, moi avec la bipolarité, je prends un régulateur de l'humeur et j'ai pas le choix que de prendre le régulateur de l'humeur. Donc au lieu que mes phases fassent ça, ça, parce que ça c'est les périodes un peu euphoriques et ça c'est les périodes plus dépressives, en gros ça devrait faire ça. Voilà. Sauf que ça fait 2 ans qu'on essaye de trouver le bon dosage et que bah, visiblement c'est pas encore ouf ouf. On l'a augmenté. Après pendant un an, en fait, on a essayé de voir si ça se stabilisait tout seul, et au final, on l'a augmenté, là, il y a un mois. Mais visiblement, ça ne suffit pas. Je pense que ça empêche à ce que je descende trop, mais voilà. Je vais garder un peu de suspense, parce que ce serait bien qu'on en parle, du coup, pendant le live, et pas que je vous raconte tout maintenant. Mais, ouais, la seule fois où j'ai pris des antidépresseurs, ça m'a fait partir en phase euphorique, donc... Ça a confirmé du coup le trouble bipolaire, mais... Et voilà, je ne peux pas en prendre du coup. Donc quand je suis comme ça, bah je n'ai juste... Faut que j'attende. Donc c'est un peu chiant. Voilà. Donc ça fait 2 ans que j'ai été diagnostiquée, 2 ans que je suis sous traitement. Et merci du coup Zomi pour le lien du Discord, n'hésitez pas. C'est là que vous allez avoir toutes les infos. Petite blague, est-ce que tu sais comment on appelle un ours qui vit la moitié de l'année au pôle Nord et l'autre moitié... Un bipolaire, j'imagine. T'es réparé? Bah, je pense pas. Je pense que c'est parce que là, c'est les commandes de base de Wisebot, mais je pense pas qu'il ait envie de nous parler. Toujours pas, il boude, hein, je pense. Voilà. Bref, on parlera un ours bipolaire. Non mais on en parlera. En vrai, à un moment donné, j'avais fait un compte Insta, puis en fait après j'ai arrêté. Mais du coup, ça m'a permis de parler avec des gens qui sont dans la même situation que moi, et en vrai, ça m'avait fait quand même pas mal de bien. Donc du coup, on pourrait se faire un petit apéro live. Il prépare notre exécution avec Akujin. Non, Akujin, il a dit qu'il était de son côté, donc c'est pas lui. Je pense que c'est toi et Rémi, que c'est Zomi. Il va vous. Il est en train de faire des recherches sur vous, là, il est occupé. Donc ouais, on fera un petit apéro live où on parlera dev perso, santé mentale, spiritualité aussi, pourquoi pas, on fera des petits tirages de cartes et tout et tout. Ouais, je pense que c'est bien d'en parler. Et c'est vrai que, ouais, la bipolarité, enfin, moi j'adore regarder des trucs true crime et tout, et souvent dedans ils disent, ouais, la personne, elle avait, en fait, on a découvert qu'elle avait une maladie mentale, elle était bipolaire. C'est pas la bipolarité qui fait que tu tues quelqu'un. Enfin, il faut avoir un peu de prédisposition quand même. Après, il y a 2 types de bipolarité. Moi, je suis bipolaire de type 2. Donc, je fais beaucoup de périodes dépressives. Et quelques périodes qu'on appelle hypomaniaques. Parce qu'avant, c'était les maniaco-dépressifs. Moi, je fais des trucs... que dire, à me tuer, mais de rire. Donc moi je fais des phases hypomaniaques qui montent quand même moins hautes, en fait, genre c'est juste un peu comme un TDAH, en fait, genre je m'arrête jamais, j'ai du mal à dormir, j'ai trop d'énergie, je passe d'un sujet à l'autre, je vais m'intéresser à plein de trucs, je vais acheter beaucoup de choses, je dépense énormément d'argent quand je suis dans ces phases-là, parce que en fait
je vais focus sur un truc. Et du coup, je vais acheter plein de trucs qui vont avec. Pour, par exemple, si je sais pas, j'ai un délire avec le yoga sur un moment, et ben, je vais m'acheter un tapis de yoga, puis je vais m'acheter un bolster, puis je vais m'acheter un tapis d'acupression, puis machin. Puis en fait, je vais faire des recherches, des trucs pour voir. Enfin, genre, je vais être vraiment à fond. Et deux jours après, ça va être autre chose. Et deux jours après, ça va être autre chose. Donc pour vous dire, mon site internet, par exemple, je l'ai fait en 8 heures. H24, j'ai passé 8 heures d'affilée, j'ai pas fait de pause ni rien. Et j'ai fait un site internet en 8 heures. Voilà, donc quand c'est comme ça, c'est génial, je suis hyper productive, je suis au taquet, mon cerveau c'est bam 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 bam. J'ai une logique de fou là, j'ai l'impression que mon cerveau il est on fire. Mais du coup, comme vous pouvez l'imaginer, c'est un peu fatigant et du coup, bah après, souvent, il y a une redescente. Et au printemps, j'ai fait ce qu'on appelle une phase mixte, c'est-à-dire que j'avais des symptômes de phase dépressive et de phase hypomaniaque ensemble. C'était un plaisir. Voilà, c'est... Bref. Alors, événement déclencheur, à peu près tout. C'est-à-dire que... Bon, les trucs un peu bâti-bateau, ben, genre un décès, une rupture, relations compliquées, toutes les relations que j'ai eues qui étaient compliquées, j'ai fait des phases dépressives. Alors, c'est génétique. Ma tante, du coup, était dépressive. Elle a été sous antidépresseur toute sa vie et tout. Donc, on suspecte que... Maintenant, en fait, moi, elle s'est suicidée, donc forcément, je peux pas trop lui demander. Mais en fait, on suspecte parce qu'il y a une fois où elle a changé d'antidépresseur et où du coup, voilà, il y a eu, elle a fait une phase psychotique, un truc comme ça. Enfin bon, il s'est passé des trucs quoi. Je l'ai pas mis, je crois, la commande Love. Faudrait que je le fasse. Par contre, ouais non. Je sais plus si j'ai une commande lurk ou pas. Bref, ça n'a rien à voir. Mais du coup... Donc oui, je disais, c'est génétique. Je suis en train de tout vous balancer. Mais bon, c'est pas grave, on refera quand même... on en reparlera pendant le live. Mais en fait, il y en a... Non, bon, bah, faut que je la fasse. Il y en a, en fait, qui sont bipolaires de naissance et d'autres où ça vient au fur et à mesure. Et du coup, moi je pense que je l'étais de naissance parce que déjà petite, j'avais très régulièrement des phases, ça durait un mois ou deux, où j'étais complètement au fond du trou. Et où en fait je passais tout mon temps à regarder la télé, je bougeais pas, j'étais fatiguée tout le temps, enfin c'était très sympa. Déjà toute petite, et quand je dis très petite, c'était genre j'avais 4-5 ans à tout péter, donc... Voilà, on va dire que le diagnostic a expliqué quand même beaucoup de choses, au final. Et ouais, j'avais validé la prédit, je crois. Ouais, j'avais validé. Voilà, et donc du coup, ouais, il y a beaucoup de choses en fait qui peuvent être déclencheurs. Si, déjà, si tu dors mal, que t'es fatigué, si t'as un choc émotionnel, donc si t'as un deuil, une rupture, si t'es dans une relation... où ça se passe pas très très bien, quand il y a beaucoup de stress. Et du coup, ça peut... Alors par exemple, en début d'année, bah, j'ai ouvert ma boîte. Donc forcément, bah, j'étais pompée up sa mère, parce que je me lançais dans mon projet et tout. Donc c'est parti crescendo et... ciao, bye bye. La phase mixte que j'ai fait, c'était une conversation qui a été très perturbante pour moi. Et... J'étais un peu fragile, je pense, à ce moment-là, émotionnellement et tout. Et du coup, une conversation m'a fait partir en phase mixte. Voilà. Et bah, du coup, tout le monde connaît un petit peu les dépressions saisonnières et tout. Et du coup, bah, les bipolaires sont quand même un peu plus susceptibles de faire des dépressions saisonnières. Du coup, donc je sais pas trop si c'est ça qui m'arrive ou pas, parce que j'ai pas eu d'événements particuliers qui m'ont... là déclencher une phase, donc je sais pas trop. Après, j'ai fait ma dernière phase dépressive va durer 2 ans et j'en sors difficilement, donc là depuis ouais, fin août, début septembre c'était mieux, ça a duré un mois et après je suis partie en week-end avec une copine, je suis partie 4 jours de la maison, j'étais fatiguée, c'était à 3 heures de la maison, enfin je sais pas, du coup ça m'a fatiguée. Quand je suis rentrée j'étais claquée. J'étais malade, je me suis éclaté la cheville, je suis tombée et tout, enfin bref. Je sais pas s'il y a eu un trop plein d'un truc ou je sais pas trop, mais du coup, voilà. Pas ouf, quoi. Mais ouais, on se fera un petit
un petit live. Ok. Et du coup, c'est... Oui, bah ouais, j'imagine que ouais, du coup, ça, c'est le genre de sujet qui t'intéresse. Enfin, après, je sais pas si c'est ton cas, mais quand t'as des gens qui te parlent de choses qu'ils ont, et où tu te retrouves un peu des fois dans la description, tu te dis, tiens, peut-être que, éventuellement. Mais après, ouais, la bipolarité, ça peut être déclenché vraiment par... T'as des prédispositions de base. Je t'ai dit, c'est génétique et tout. Mais soit ça va se déclencher déjà des tout petits, soit des fois c'est à la suite de plusieurs choses qui fait que ça revient, qui... bah, on est dans la même team, Zomi, on se comprend. Et ouais, non, c'est très compliqué. Hein. Là, je sais que je parlais avec mon copain là ce week-end, c'était samedi, où je lui disais que ça allait pas, que j'étais fatiguée, que ça revenait, que... Enfin, ça va pas. Je lui dis, là, ça fait 2 semaines que ça va pas trop et tout. Et il m'a dit, oh, mais t'inquiète pas, ça va aller. C'est juste une phase et tout. Et en fait, à un moment, je me suis retournée. Je sais plus trop ce qu'il m'a dit. Je me suis retournée, je l'ai regardée. Je lui ai fait, ah, mais ça sert à quoi? Et en fait, je suis restée... Enfin, j'ai vu, il est resté con. Il m'a regardée en mode... Comment ça, c'est... Il me l'a dit, hein. Il m'a dit, mais comment ça sert à quoi? Alors... Tu vois, genre, il y a le petit truc qui sort tout seul de « bah mais ça sert à quoi de vivre comme ça, en fait ?» Et bon, après, tu te reprends et voilà. Mais en disant ça, c'est là que je me suis dit « Ah, là, on en est là, du coup. Ok. Bon, au moins, j'ai confirmation que je suis en redescente, parce que quand je commence à avoir des pensées, entre guillemets, comme ça, je sais que ça ira jamais plus loin, parce que je suis assez du genre optimiste, quand même, dans la vie. Mais sur le coup, t'es en mode « Ok, bon, là, du coup, ça confirme, on en est là. » Le pire, c'est que les gens disent ça pour bien faire, mais ils se rendent pas compte, c'est contre-productif, ouais. Ouais, c'est ça. Donc moi, de base, je suis assez positive, et je pense que tout ça, c'est grâce au dev perso et machin, et voilà, mais du coup, je sais que ça va aller à un moment. J'ai confiance au fait que mon traitement, à un moment donné, va m'aider à stabiliser tout ça et tout, mais... L'autre jour, je me suis dit, aujourd'hui, ça va mieux, j'ai pas envie de mourir. Non, c'est... Ouais. Je comprends. Après, ouais, j'ai jamais eu à ce point... En fait, au tout début, là, de ma dépression, il y a 2 ans, je me suis surprise plusieurs fois. Alors, une fois, j'étais en train de conduire, je rentrais chez moi, je sais pas ce que je faisais. Et en fait, je me suis dit, si jamais, genre, juste, je me déporte et que je me retrouve sur la voie d'en face et que j'ai un accident, ça ferait quoi? Pas trop grave, tu vois, mais juste qui me permettrait de pas aller travailler. C'est là que je me suis dit, putain, quand même, je commence à avoir des idées cheloues, faudrait peut-être faire quelque chose. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une dépression qui a été avérée il y a 3 ans. 3-4 ans. Et donc, il y a 3-4 ans, et ensuite, l'année d'après... J'ai refait une phase dépressive qui a aussi été avérée. C'est mon médecin traitant qui m'a dit, ce serait peut-être bien que tu ailles voir un psychiatre, parce que c'est ta deuxième dépression de suite. Et bah, du coup, il y a des cas de suicide dans ma famille. Donc, il m'a dit, ce serait peut-être pas mal d'aller voir quelqu'un. Il y avait 2 mois d'attente. Et en fait, quand je suis arrivée, j'étais pumped up sa mère. J'étais en mode, hey. Donc, quand c'est comme ça, je parle vite, je parle fort, je suis tout excitée et tout, nanana. Et du coup, je lui ai dit non, mais en fait, je pense pas que je sois dépressif, parce que là, vous voyez, je vais hyper bien, c'est un truc de fou. Le mec, il m'a dit, ok, ça fait combien de temps que t'es comme ça? Oh, je sais pas, 1 semaine ou 2, d'accord. Donc, pour l'info, pour que ce soit considéré comme une phase dépressive, il faut que ça dure depuis au moins 1 semaine, et pour les phases maniaques ou hypomaniaques, depuis 4 jours, je crois. Si je dis pas de conneries. Attendez, je vais revérifier, parce que j'ai peur de dire des conneries. Je sais plus, c'est 1 ou 2 semaines. Alors. Parce que du coup, j'avais fait une 2 semaines. En gros, c'est ça, il y a plusieurs symptômes, donc je vous en parlerai si vous voulez, je vous lirai les posts que j'avais fait quand on fera notre petit live. Mais en gros, pour être considéré comme une phase dépressive, la personne doit avoir au moins 5 des symptômes que j'avais mis depuis sur une période d'une durée minimale de 2 semaines. C'était ça. Et du coup, la même chose bah, pour les phases maniaques ou hypomaniaques.
pour que ce soit considéré comme une phase hypomaniaque, la personne doit avoir une humeur positive et 3 des symptômes précédents ou une humeur irritable ainsi que 4 des symptômes précédents sur une période d'une durée de 4 jours minimum. Voilà. Donc ceux qui pensent que les bipolaires peuvent vriller comme ça du jour au lendemain, c'est faux. Voilà. Mais dev perso est une aide, mais à trop vouloir positiver aussi, ça peut devenir toxique. Ah boy, quand ça devient une injonction, ouais. Non, ça va, moi, c'est pas... Après, le médical... En fait, pour moi, le côté traitement médicamenteux et le côté dev perso, c'est vraiment... c'est un complément, en fait. Tu peux pas... Enfin, c'est pas que tu peux pas les dissocier, mais on va dire qu'à certains niveaux, c'est compliqué, quand même. Enfin, tu peux pas guérir totalement juste avec des médicaments, je pense, d'une dépression, en tout cas. Et tu peux pas non plus guérir que... de dev perso quand c'est une vraie dépression, tu vois, quand c'est une petite déprime ou une mauvaise passe, oui. Mais voilà, et du coup, la fameuse conversation dont je vous parlais, qui m'a fait un peu partir en phase mixte, c'est justement ça. C'est quelqu'un qui n'y connaît rien, et qui n'avait absolument aucune... comment dire, qualification pour parler de ça, qui a commencé à me dire que, en gros, j'étais très négative par rapport à tout ça. Sans déconner, ça me bousille la vie. C'est considéré comme la 6e maladie la plus invalidante, selon l'OMS. Je suis reconnue travailleur handicapé, je peux avoir des aides si je veux. Voilà, donc c'est un handicap invalidant. Donc c'est un peu normal, non, que je sois légèrement négative par rapport à tout ça, surtout quand ça te bouffe la vie, que tu viens d'ouvrir ton entreprise et que ça t'empêche de travailler un mois sur deux, c'est un peu relou, tu vois. Donc t'es pas bien, arrête, c'est un peu ça. Donc elle m'a dit, mais pourquoi t'essayes pas de voir ça comme par exemple des périodes de mélancolie? Alors quand je suis au fond de ma baignoire en train de chialer de toutes mes forces, accroupie, tenir les genoux au fond de ma baignoire en disant à mon mec que j'en peux plus et que je veux que ça s'arrête, je ne peux pas considérer que c'est juste une période de mélancolie. Tu vois, genre à un moment donné, comme tu dis à Kujing, c'est là que ça devient hyper toxique parce que tu peux pas dire des trucs comme ça. Enfin, et du coup, considérer que c'est... un moment plus slow, une préparation à mes périodes de productivité et de créativité. Sauf que ça non plus, ça n'a rien de drôle, parce que quand tu dors pas, que t'es surexcité H24 et que du coup tu te sens... en fait, je me sens hyper électrique quand je suis comme ça, c'est vraiment... J'ai tellement d'énergie que ça me... Donc je suis très... comment dire... du coup, je me sens très anxieuse quand je suis dans ces trucs-là. J'ai du mal à dormir, je suis très... Enfin, c'est agréable parce que j'arrive à faire énormément de choses, à être très productive et très créative, certes, mais en même temps, ça part tellement dans tous les sens que j'ai du mal à être productive, du coup. Parce que ma créativité prend tellement de dessus. C'est ça, c'est exactement eu. C'est compliqué. Genre... En fait, je peux, si je me force à me concentrer, par exemple, quand je travaillais dans mon ancien travail, j'arrivais à être très productive si je me concentrais sur un truc et que je me forçais à focus sur ce truc-là. Mais sinon, j'ai zéro productivité et mon cerveau, il part dans tous les sens. À un moment, j'ai envie de faire du yoga, puis le lendemain, j'ai envie de cuisiner de la cuisine japonaise. Enfin, là, je me suis tapé, du coup, cette phase-là, là, au mois de mai-juin, où je vous dis, j'avais du coup des phases mixtes, donc un peu tout. J'ai acheté de la vaisselle japonaise, des livres, des ingrédients que j'ai trouvés sur internet. Enfin, genre, vraiment, c'est... Donc, c'était ça. Le lendemain, ça va être... Bref, ça change toutes les 5 minutes. Donc, en fait, je peux pas être totalement productive là-dedans. Voilà. Très empathique. Et je me dis que les gens qui font ce genre de remarques ne pensent pas à mal et ne peuvent pas comprendre. C'est ce que je me suis dit. En fait, sur le coup, elle me parlait de ça et tout. Je commençais à avoir un peu les larmes aux yeux et tout. Et en fait, je me disais, c'est pas grave, je sais, et c'est pour ça aussi que ça me tient à cœur d'en parler un peu sur Twitch et tout, parce que je sais que la bipolarité, c'est un truc qui est très très mal connu, et que les gens qui n'ont jamais fait de dépression ne peuvent pas comprendre, en fait, déjà cet état.
Et du coup, je me dis, c'est pas grave, juste elle comprend pas, c'est tout. Enfin, elle l'a peut-être jamais vécu de près ou de loin, c'est pas grave, c'est, ça part pas d'une mauvaise intention. Sauf que ça m'a déclenché quand même une phase mixte. Donc quand je te disais tout à l'heure qu'en fait il y a beaucoup de déclencheurs, c'est même ça, même moi je me suis dit mais je peux pas faire ça. Je peux pas avoir une phase mixte à cause de ça. Et quand je suis retournée voir mon psychiatre en urgence parce que ça allait vraiment pas, c'est là qu'il m'a dit mais il s'est passé quoi depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Donc je réfléchis, je dis bon bah je sais pas, il y a eu ça, mais bon je pense pas que ce soit ça. Et il m'a dit bah si, en fait. Voilà, il m'a dit avec cette conversation là, elle a niqué tout ce qu'on a fait. Bah c'est nickel, voilà. Tu m'invites à graille, de fou. Les femmes, il y a un petit joker, c'est rien, c'est des hormones, t'as tes règles ou quoi? Ah bah c'est totalement ça. Ah ouais, non mais c'est... Enfin voilà. Donc du coup, je pense qu'on va se faire un petit live là-dessus, parce que vous voyez, là, rien que de parler de cette idée, on est déjà en train de partir sur des sujets très intéressants. Donc je pense que se faire un petit live entier là-dessus, ça va être très très sympa. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc du coup ça, donc je pense qu'on se le fera pendant l'apéro live, si ça vous va, je pense que ça peut être assez cool. Et donc du coup, les trucs qu'on n'a pas débloqués, il y avait donc mon mec me maquille. Ouais, prends la bouteille de Jet, par contre ton rhum il reste chez toi. Et ton truc à l'orange là aussi, ton calva orange là, c'est... Ça m'a tué. Donc, mon mec me maquille, ça du coup on fait pas, et react à mes premières vidéos YouTube qui datent de 2015. Et ça fait quasiment... 10 ans. Oui, c'est ça, on est en 2024, donc oui, 2015 à 2024, ça fait 10 ans. Oh la vache, je suis fatiguée. On veut voir ça. Bon. De quoi qu'on veut voir? Mes vidéos? Je suis dispo à peu près tout le temps, je viendrai avec plaisir. Ben, grand plaisir, Zomi. Même les mecs ont des phrases joker, tu me dis c'est bon, t'es un mec ou quoi, t'as pas besoin de... Oui bah ça... Ouais. Bois un coup, nickel. Donc ouais, du coup, react à mes petites vidéos YouTube d'il y a 10 ans. Franchement, je pensais que vous auriez voulu le débloquer. Mais alors du coup, il y a deux choses à laquelle j'ai pensé. Parce que donc il y a mes vidéos d'il y a 10 ans, et il y a une vidéo où j'ai fait avec mon frère, ah ouais, le must, c'est il y a le pire dans la vie, alors mon top 3 c'est il y a pire dans la vie, faut lâcher prise, ou tu te prends vraiment la tête pour rien. Tu te prends trop la tête, là exactement. J'ai décidé de suivre ces conseils là, très mauvaise idée Zomi. Parce que j'étais pas là, bah voilà, Hakuna Matata quoi, mais... Ah ouais, le putain de lâcher prise de merde, je... Bref. Donc, ouais, du coup j'avais deux idées, parce que je sais qu'on peut faire des challenges... Ouais, oh, pourtant t'es jeune, ça va, t'as la vie devant toi. Je sais pas ce que c'est que les vrais problèmes, vous, de votre temps, vous avez pas de soucis. J'ai prévenu que j'avais pas consulté de professionnel. Bah mais bon, même si t'as pas consulté de professionnel, déjà, genre en parler avec des gens qui comprennent ce que tu vis, c'est mieux, déjà. Tu réfléchis trop, comme on m'a dit une fois, désolé de pas faire comme toi et de noyer mon esprit dans de la vodka. Bah ouais, non, mais c'est ça. C'est exactement ça. Donc du coup, alors je sais plus où je peux voir ça, c'est ça qui est cool. Mais, normalement... Bref, il y a un truc qui existe, je sais plus où c'est. Ah oui, challenge, les challenges de votre communauté. Où du coup, je mets un certain nombre de points de chaîne que vous devez atteindre pour avoir un objectif. Et du coup, bref, ça vous challenge, machin, machin. Et du coup, je m'étais dit que je pourrais faire ça pour vous montrer ma première vidéo YouTube. Vidéo YouTube make-up, évidemment, parce que j'étais une YouTubeuse beauté, t'as vu. Donc, soit ça. Soit, alors je sais pas si je peux en faire plusieurs du coup. Si je peux en faire plusieurs, je vais mettre les deux en même temps. Sinon, il faudra choisir l'ordre dans lequel on le fait. Donc soit ma première vidéo YouTube beauté, où je teste un, comment ça s'appelle, un fond de teint Yves Saint Laurent. Et de l'autre côté, il y a un dupe du Yves Saint Laurent. Du coup, je fais une côté de visage, bref, un délire. C'était ma toute première en plus.
Voilà. Donc soit ma première vidéo beauté, de YouTubeuse beauté, ou, qui date d'il y a 10 ans donc, ou alors, j'avais fait la démo de Outlast 2 avec mon frère, ou donc, voilà, faire un react à ma vidéo de jeu d'horreur sur Outlast 2 avec mon frère. Yves Saint Laurent, t'es vraiment mieux ou pas? Non, vraiment, c'est la même chose, je crois. Je me rappelle plus exactement, mais à quelque chose près, vraiment, vaut mieux payer 30 balles de moins, quoi. Vraiment. Donc, voilà. Soit react à ma première vidéo YouTube Balte, soit react à la démo Outlast 2, où, je précise quand même, j'avais un peu flippé ma race. Voilà. Donc, est-ce que ça vous tente? Ce genre de petites choses. Je sais pas si je peux en avoir plusieurs ou pas. Oui. Et si on devait commencer par une des deux propositions, vous préfériez laquelle? Après, je vais regarder si je peux pas faire les deux. Mais sinon... Le make-up. Vas-y, attends, je vais le faire. Oh non. Alors, vous voulez... Je le fais en même temps comme ça, voilà. Vous voulez voir ma première vidéo de YouTubeuse est beau. Beauté. Voilà. Hop, faut préciser que c'est une vidéo qui date de 2015. Objectif de contribution. On va mettre combien? Il faut que je mette un montant total de points de chaîne. Juste pour que je me fasse une idée, ceux qui sont sur le chat, là, vous avez combien de points de chaîne actuellement? Ouais, mon mec me maquille, vraiment, je comprends pas. Hein. En plus, il m'en manquait que 1, je crois. Parce que tu vois, au-dessus, là, le goal Zaniv, on est à 13 sur 20, donc il m'en manquait que 1 sub pour que... 10 700, vous avez de points de chaîne. Mais vous êtes ouf, bah, je vais mettre un truc à 100 000. Akujin, t'as 150 000 points de chaîne ou tu veux que je le mette à 150? T'as quand même pas 150 000 points de chaîne. Alors, le but de mon mec me maquille, je sais pas de quoi il est capable. Donc je ne sais pas s'il le ferait bien premier degré ou qu'il me déguise premier... Enfin, en fait, le leurre que ça rapporte, mais t'es sérieux? Donc même si je mets 100 000, c'est pas assez, en fait. Bah, ça va pas bien, merde. Putain, en fait, tu pourrais prendre les plus grosses récompenses de points de chaîne que j'ai, hein. Tu pourrais te payer 2 séances de coaching avec les points de chaîne. Ah ouais, 16 000, tu m'as fait peur. Là, j'allais dire, putain, quand même. Bah, tu pourrais être VIP pendant un mois ou avoir un coaching live. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc en fait, le but, c'était qu'il essaye de me maquiller premier degré, mais je sais pas de quoi il est capable. Donc soit il me fait un truc banger, ou alors je ressens à rien et vraiment je suis déguisée pendant un live tout entier, quoi. Ouais, donc si je mets 100 000, je pense que c'est déjà pas mal, non? Ça me paraît pas dégueu, non? Là, je sais pas si je peux mettre un montant max par parce que je sais que c'est pas par stream. Je vais mettre 150 et je vais laisser sur 30 jours. Voilà. Alors, vous aurez besoin de 3 personnes qui verseront 2000 points maximum chaque jour pour atteindre ce but. Bah, je pense que c'est faisable. Hein. En vrai, icône du défi, je le ferai après. Je veux juste voir si je peux... Alors, lancer le défi. C'est pas ça.
Ça a marché ou pas? Vous avez eu un truc, non, pour le défi ou pas du tout? Ah ouais, vous avez eu un truc. Évidemment. Ok, et ah ouais, du coup, je peux faire deux trucs en même temps. Attends. Du coup, je voulais regarder, donc je vais faire l'autre en même temps, hein. Ça va être drôle. Donc là, celle date de quand, celle-là? C'était il y a 8 ans. C'était quand, il y a 8 ans? Bonjour à tous. Ah, je me fais rire toute seule. Bah, j'ai pas la date exacte, c'est chiant. C'était quand, il y a 8 ans? 2017, 2018, 2017, non? Oh putain, j'avais une tête de bébé, hein. Abusé. 2016, merci bien, la meuf. Donc, entre parenthèses, 2016. Oh my god. Et hop, hop, et on va remettre que c'était en 2016. Et là, pareil, hein, on va se taper un 150 000 que le meilleur gagne entre le make-up et le gaming. Hop, créer. Lancer le défi. Bah, let's go, c'est parti, hein. C'est parti les petits potes. Voilà. Donc vous pouvez vioter. Donc du coup c'est 2000 points max par stream. Alors est-ce que c'est 2000 tout compris ou est-ce que c'est 2000 par défi? Et ton eau. Ah là là. Putain, ça risque d'être très marrant. Je pense. Aïe aïe aïe. Enfin voilà. Bon, je pense qu'on va se... On va se marrer avec ça. Il y a moyen. Comme ça, au moins, vous allez pouvoir regarder mes superbes vidéos d'il y a 10 ans. En tout cas pour la vidéo make. Aïe aïe, qui c'est qui est sur Twitch en ce moment? Ah ouais. Par contre du coup, tu vas faire combien de streams par semaine? Parce que si on peut mettre que 2000 par stream, on va jamais attendre les 100 000. Après je peux... je peux les... comment dire? Je ne sais pas parler, c'est un délire. Je peux les reprolonger. C'est comme ça qu'on dit. Les reprolonger. Je pense qu'il y en a plus d'un qui va voter de toute façon par stream. Mais en général, je fais à peu près 3 streams par semaine. Oui, ça, 3 streams par semaine. Donc je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Voilà. Moi, je l'ai pas là sur mon... Ok, je sais pas pourquoi il me les met pas là. Let's go. Voilà, donc bah, du coup je sais pas combien de personnes vont devoir participer à chaque truc pour qu'on arrive à faire ces défis. Voilà, mais je pense que ça va être bien. Et du coup, dans un follow, on a atteint notre objectif de 250 followers. Voilà, donc il nous en manque qu'un. Voilà, voilou.
Et du coup, bah, je vous redis quand est-ce qu'on fait notre petit apéro live. Et du coup, on fera notre soirée du mois horreur. Soit un vendredi, soit un dimanche, visiblement. Vous vous tâtez entre les deux, donc on verra. Mais j'ai vu qu'au mois de décembre, il y avait le vendredi 13. Donc, déjà vendredi 13 en décembre, je pense que ça tombera sur ça. Et du coup, bah, suivant si c'est un vendredi ou un dimanche qui est le plus voté, on fera ça aux alentours du 20 novembre, je pense. Voilà. Donc, je vous redonnerai toutes les infos. Et du coup, on se retrouve vendredi après-midi pour un live sur 70 to die. Voilà. Donc, bah, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Et puis, à tout bientôt, les potes. Et je compte sur vous pour faire un petit coucou en arrivant pour le raid.